Bonsoir à tous et bienvenue dans l'apéro BD. L'apéro qui qui boit apéro quand même, parce qu'il faut pas déconner. Voilà, petite lèvre pour commencer. Qui parle BD, à n'en pas douter, hein, parce que sinon je vois pas bien ce qu'on foutrait là. Et puis alors certains diront oui, l'apéro BD, 21h05, tu te fous de notre gueule. Au départ, je m'étais dit ça aussi. Puis après, je me suis dit, on s'en balance, mais complet. Donc voilà. Alors, il n'est pas impossible que même ça se change à terme en apéritif dînatoire. Parce qu'on est comme ça aussi, on est des gros bourrins, mais on sait aussi être fin. Et putain, ça pourrait être la tagline d'un truc, ce truc. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi ce soir Monsieur Fred, des Comics de Fred. Comment allez-vous? Salut, salut, salut Jules, salut le chat. J'espère que Je vous allez tiens bien. aussi, si tu me le permets, à préciser que non, je n'étais pas en retard. Pas Je... 2 jours de suite, faut pas déconner. J'étais même en avance, faut le dire. Et c'est juste qu'on a papoté dans les coulisses et que du coup, Voilà. voilà. C'est un peu. Je n'ai rien dit, tu vois. Je... Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi. Alors, toi, j'ai hâte que tu te parles d'une BD que t'as pas lue ou que t'as lue, Non, mais que si, t'as si. pas te dit. Lui, il y a longtemps, mais lui. J'allais mettre, mais je le vois qui s'est barré. Du coup, monsieur Aldic, comment allez-vous? Ça va très bien. Il va bien. Ouais, ça va. C'est le Est-ce week-end, Ah c'est les ouais. vacances scolaires. Voilà. Ah oui, c'est vrai, toi, vacances scolaires, du coup. Ah, ça c'est cool. T'es dans quel coin Bien déjà? pour mon fils, hein, mais... Oui, mais non, mais d'accord, mais mais je non, suis mais. parisienne. Je suis en région parisienne. D'accord. Mais oui, c'est vrai, parce que je suis comment dire, en contact avec notamment Monsieur Savidan et Monsieur Marty, que vous apprendrez à connaître dans les prochains podcasts animés de X-Men, la série de 92. Et effectivement, c'est pour se caler des dates, c'est pareil, on se pose des questions de Ah, mais oui, mais toi, t'es en vacances, pas en vacances, parce qu'on est tous profs, en fait, en plus. Il en reste. On n'a rien à ranger. Et du coup, voilà. T'as trouvé une BD? Parce que quand je t'ai dit oui, apéro BD, t'as dit, il faut déjà que je trouve un truc à lire. Tout à fait, tout à fait. Jusqu'à ce soir, en fait, je n'avais rien. Mais donc j'avais pris des tomes donc, que j'ai lus et je me suis rendu compte que j'ai pris les tomes 2 et 3 parce que j'ai pris le tome 1 il y a longtemps. Et donc j'ai demandé à mon épouse de ramener le tome 1. Elle m'a ramené le tome 1 de la médiathèque. Enfin bref, donc Est-ce tout que s'arrange. dans le chat, vous vous rendez compte de cette petite aventure qui s'est passée chez Old Geek aujourd'hui? C'est-à-dire, tu vois, d'un est-ce que t'es libre pour un apéro BD, ça s'est transformé en Indiana Jones à la recherche du C'est temple ça. perdu. C'était incroyable. Parce que en général, je me mets des petits, comment dire, des petites photos sur les BD que j'ai lus et avec un petit résumé, histoire d'eux. Ce qui fait que j'ai un deuxième titre potentiellement, mais il faut que je rafraîchisse un peu ma mémoire quand même. Mais qui sont organisés, ces gens? C'est incroyable. Il y a des petits résumés, des petites photos. Mais non, mais c'est incroyable. Tu es un G, vous faites ça, vous? Oui, toi, tu es Non, non, quelqu'un non, moi de. je parle avec des violeurs d'ours. Si vous Oui! avez la ref de l'ancien apéro. Oui, parce que c'est évidemment. Hein. Ouh là là! Ouais, non, c'est une blague. Hein, Ouh là là! ne partez pas en courant. Mais d'ailleurs, oui, tu nous avais bien donné envie, effectivement, avec ce violeur d'ours. C'est très bizarre, ça te passe quand même. Et du coup, te revois loup. Bah Et oui. grand bien t'as fait. Je me dessape. Hein. Je n'irai pas plus loin. Mais finalement, il fait chaud. C'est-à-dire que ça chauffe vite ici. Hein. C'est-à-dire qu'on Ouais. est à 2 mètres carrés et puis on est à 1,50 m de plafond. Donc à un moment donné, ça va vite, ces trucs-là. Mais oui, du coup, donc, non, apéro BD. Très content. Très content. J'ai des pépites. Notamment un, j'ai abordé le sujet la semaine dernière, mais là faut qu'on en parle parce que rien que de revoir les planches, j'ai eu envie de me le relire, ce que je vais faire à mon avis à la sortie de cet apéro BD. On salue le chat. Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent ou c'est leur première fois, c'est toujours un petit peu spécial la première fois. Vous buvez quelque chose d'ailleurs? Oui. Ah, Café. l'autre, oui. Tel. Café, mais je suis pas à l'abri d'aller chercher une bière. Alors toi, non, attends, non, 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 non. Toi, tu m'as guiché avec ta bouteille de Desperado de 3 litres. Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Femme, elle est dans mon frigo. Tout en rigolant de manière très joyeuse dans le vocal que tu m'as laissé, je me suis dit, oula, ça va être une bonne soirée. Non, mais c'était pas l'alcool, c'est parce que ma femme et mon fils sont partis en week-end sans moi, tu vois, j'étais content. J'ai cru que le gars disait ah, Desperado, c'est pas de l'alcool. Oh. Tu vois, arrête 2 secondes, c'est pas possible. Monsieur Julien, tu bois quoi?
Moi, je bois de l'eau, moi. Je suis à l'eau. Alors, normalement, un cinquième larron doit nous rejoindre. J'espère qu'il relevera le niveau de tout ça, parce qu'entre la tourtelle et l'eau... Ouais, je me suis dit peut-être que je vais prendre une petite glace, tu vois, pour le dessert, parce que moi, j'ai fini de manger depuis longtemps. Donc, moi aussi, je me suis dit, attends, ça m'arrive tellement peu souvent de boire de la bière que, à un moment donné... Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, évidemment, comme à l'accoutumée, hein, je me dois de rappeler quand même qu'on n'est pas du tout là pour se pinter la gueule. Après, on n'est jamais à l'abri que ça dérape, mais normalement, on n'est pas là pour ça, en tout cas, on est surtout pour ça. On est là-bas. C'est déjà, ça commence, tu vois. On est surtout là pour parler de notre passion du 9e art. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à nous présenter, monsieur Ingé? Ouais. Oh non, ah, je sais de quoi tu vas parler. C'est vrai, t'as vu? Et pourtant, non, j'ai rien vu. J'ai vraiment juste vu un bout de la quatrième de couve. Mais c'est noir, il y a du beige. Je pencherai pour le dieu fauve. Non, pas du tout. Ah. Non, ce soir, on va partir chez un tout petit éditeur, un éditeur indépendant qui s'appelle Dupuis. Évidemment. Les exilés de Moschenheim. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un groupe de terroristes inconnus qui va frapper sur une centrale, la centrale de Moschenheim en Alsace, du coup, qui va faire de très gros dégâts. On va être donc sur une catastrophe nucléaire. On va être sur un univers un peu post-apo, mais post-apo tout de suite. C'est-à-dire que c'est genre 2-3 jours après la catastrophe. Voilà. Et en gros, on va suivre cette famille là qu'on voit juste ici, qui est un peu une famille déchirée, qui va se retrouver dans un camp en Norvège ou Suède. Voilà. Et en fait, on va suivre un peu l'arrivée de cette famille dans ce camp, mais aussi toutes les divergences, les tensions entre les différentes communautés, etc. C'est une petite série en 2 tomes, ça se lit très lentement, ça a un rythme très lent. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les dessins qui sont plutôt chouettos, ça, on va pas se mentir. D'accord. Voilà, c'est plutôt intéressant et c'est pas mal de retournements de situation. On est sur un conflit, voilà, on est sur de la politique un petit peu, on est un peu sur... sur des divergences de communautés, etc., avec il y a pas mal de racisme aussi, c'est vraiment intéressant pour le coup, et en fait ça nous explique plus ou moins si un problème comme celui-là pourrait nous réunir ou au contraire nous déchirer, voilà. Et c'est vraiment très sympatoche, moi j'ai beaucoup aimé. Alors je connaissais ni l'auteur ni le dessinateur, etc., mais vraiment j'ai passé un bon moment. Ça se lit pas d'une traite. Très clairement, il faut se le dire, mais je l'ai lu en 3 jours et j'ai plutôt bien kiffé en réalité. Mais je l'avais vu en librairie, la couve m'avait marqué. Ouais, elle est chouette. Hein. Et ah oui, mais alors merde, attends. Elle est chouette aussi. Après, voilà, c'est un espèce de complot aussi. Ouais, il y a un peu de complot aussi, j'en ai pas parlé. Mais vraiment, vraiment intéressant, vraiment sympa. Et on va voir un peu pourquoi du coup... la centrale a explosé, qu'est-ce qui se cache derrière. Ah oui, on s'intéresse quand même du coup. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on ment à la population ou est-ce que c'est vraiment un problème de sécurité de la centrale qui a fait que ? Est-ce que c'est vraiment un attentat ? Enfin voilà, on va s'intéresser à tout ça, on va s'intéresser un peu aux dirigeants du pays. Enfin, voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais en même temps, c'est... Il y a un fil rouge très intéressant, très sympa, et moi j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de détails hein, dans les dessins. Hein, genre, quand tu vois le camp, typiquement, c'est bien détaillé. Attends, je ne bouge pas. Il y a pas mal de petits détails. Hein, les visages sont très sympas, très jolis. On va vraiment suivre une famille qui se déchire, hein, parce que juste avant le conflit, en fait, on apprend que le père vient d'être un chef cuisinier étoilé, que la mère est en train de le quitter parce qu'elle le trompe avec quelqu'un. Enfin, c'est pas le voilà, on se réunit pas après dans un camp suédois comme ça dans les meilleures conditions, quoi. Tu vois, c'est pas voilà. Donc, je conseille, c'est plutôt adulte, c'est plutôt mature. Attention à l'âge auquel vous avez quand vous lisez cette BD, parce que clairement, à 17 piges, ça vous intéressera potentiellement pas, quoi. On est à 21,95 du coup, édité chez Dupuis et en 2 tomes.
Et ça en deux tomes, ouais, ça franchement, ça me botte vraiment. Ça, correct. Et vraiment très mature. Hein. Je pense que c'est pour les gens qui sont autour de cette table, vraiment. C'est le genre de récit qui peut plaire autour de cette table. Ouais. Alors, j'aime pas aller sur Amazon, très clairement, pour montrer. Enfin, je suis sur le site de Dupuis, je pense qu'ils doivent l'avoir. Je pars du principe où bah, c'est mieux de montrer. Mais je sais pas, apparemment, ils ne le trouvent pas dans. Ah bon ? Sur Bulan Stock, ouais, c'est bizarre. Bizarre. Mais ouais, moi ça me dit bien. Vous les gars, ça vous parle, ça, yeah, pas du tout. Oui, si si. Moi je pourrais aller dessus, ouais. Deux tomes, c'est bien, ça prend pas de place. Bah c'est ça, quoi. Ouais. Ouais, et puis si t'es déçu vraiment, au pire des cas, tu revends deux tomes, ça part vite. Ouais. Non, mais ça, ouais, ça me plaît bien, ouais. Mais pour le coup, moi j'avais. Alors, évidemment, ça me fait penser à. Comment ça s'appelle à... Ah zut, Tchernobyl. Putain, pourtant. Oui, Tchernobyl, c'est l'idée. Hein. Tiens, je t'ai envoyé dans le chat privé le lien de Dupuis. Merci beaucoup. Et le à Tchernobyl, et du coup, le vous l'aviez vu, vous, la série? Oui, oui. Ouais, elle est incroyable. 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 Regardez, en une après-midi avec ma femme, on a adoré. C'est vraiment un truc de malade. Franchement, j'ai surkiffé. Bah, c'est vrai, t'as beau dire. J'en veux une autre sur AZF ou sur un truc comme ça. Tu vois, genre, c'est vraiment. Bah Fukushima, quoi. Parce qu'apparemment, j'ai lu dans les commentaires que du coup, ça s'inspirait vraiment de ce qui s'est passé aussi. Ouais, bah c'est les mêmes images, etc. Hein. T'as les mêmes répliques des salles, de l'hôpital, etc. C'est vraiment génial. Et ben franchement, ouais, je pense que j'irai dessus à l'occasion. Fukushima, un Céveso, c'est vraiment chouette. J'ai une liste longue comme le bras, hein, de trucs où... ah bah si je tombe là-dessus, je prendrai. C'est pas mal. Vraiment, bonne découverte, honnêtement. Quand tu lis pas beaucoup de BD comme ça, là, un petit peu de souffle, voilà, un petit peu d'un petit vent de fraîcheur comme ça de franco-belge, entre 2-3 comics, ça fait du bien aussi. Et là, c'était le cas. Hein, alors, un vent de fraîcheur, après, ça reste apocalyptique. ouais, mais moi, j'aime bien, du coup. Non, mais tu vois, vraiment, tu vois... C'est comme la BD dont je vais parler, hein. Il y en a deux. Un petit vent radioactif. Un petit vent irradié, voilà. J'en profite avant de passer à la suite de donc saluer le chat, parce que j'ai manqué à mes obligations tout à l'heure. Salut à Wally West, salut Julien, salut Julienne. Giovellina, bonsoir. Julien, Big Bagheera, salut à toi. Darkskev95, salut. Et bonjour, monsieur Rebonne de Jeu. Dire que le pseudo Big Bagheera, ça sent les grosses soirées. Hein, quand même. Oui. Ceci dit, le commis des graphiques est pas mal non plus, mon cher. Oui, je me suis dit maintenant, dès que je vais être en représentation, je vais changer de pseudo, étant donné que les comics sont en train de mourir et que ça s'appelle désormais des graphiques. Faut s'adapter. Ouais, voilà. Comment il va ? Bonsoir tout le monde. Ben, ça va pas mal. Ça va. Mais dis donc, il devait pas être en live ce soir. Ah, ta gueule. Tout ça, c'est avant le drame, bien sûr. Oh, mais franchement, si on peut même plus compter sur les pirates d'Internet maintenant. Franchement, sans déconner. Mais tout fout le camp, quoi. C'est clair. Franchement, les issues sortent le mercredi. Le vendredi soir, c'est toujours pas en scan. Voilà. Honteux. Je sais que c'est gratuit, mais on souffle fort, hein, quand même. Du coup, non, ce sera pour Inch'Allah. mais oui. On a hâte, en tout cas. Putain, moi, vous m'avez redonné envie. Hein. J'ai écouté le premier débrief du Ghost Machine dans la voiture. Oh, et bordel, mais... Je kiffe. Hein. Alors, on n'est pas là pour parler comics. Hein. Vous avez bien compris l'idée. Mais bordel... C'est de la BD américaine, du coup. C'est de la BD américaine. C'est comme comics et graphiques, ça, tu vois, c'est... Oui, ma prochaine vidéo achat, je vais dire, une masse des achats graphiques. Comics non, mais... japonais, démerdez-vous avec ça, yeah. Cassez-vous. Et monsieur G, il avait un truc sous le coude ou pas du tout, du coup? À boire ou à lire? Les deux. Les deux, déjà, il boit quoi? Il boit quelque chose ou pas? Alors, très honnêtement, à la base, j'étais arrivé dans ma petite pièce avec ma petite bouteille de Kazakh. Ouais. J'écoutais en même temps, pendant que je me préparais, tu disais, il faut relever le niveau, je sais pas quoi, alcoolique. On n'est pas là pour se pinter la gueule, mais enfin, on a tous envie de vomir ce vendredi soir. Et du coup, j'ai pris une petite bière ambrée d'un brasseur stéphanois. D'accord. Voilà, on n'a pas que des emmerdes à Saint-Étienne, on a aussi des brasseurs. Voilà. Et bah, c'est beau. Et on le salue s'il nous regarde. Les Sept Collines.
D'accord. Voilà. J'en ai goûté une tout à l'heure. J'étais mi-fait avant de manger ma salade ce soir. Ça va, il aurait pu dire « Écoute, je suis à ma cinquième, tout se passe bien. » Non, non, elle tape, dis donc, la petite, cette colline. C'est sympathique. Sympathique. Donc voilà, je vais la débaucher. Celle-là, a priori, c'est bière ambrée, café, caramel, rondeur, rondeur. Et voilà. Comment ça me galère, les sept collines, moi. Et en BD. Voilà. Bah, en BD, à cause de... ou grâce, parce que du coup, à Néo, bah, le week-end dernier, j'ai acheté la route. Voilà. Et je me suis dit, tiens, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont en parler. Ça fait une semaine que tout le monde en parle. C'est quoi ça, la route? Et tu veux dire... entendu parler. Tu veux dire la... tu veux dire la EO-out? La étuar. Ouais, voilà. Et... Là, voilà. Je connais pas, je n'ai pas entendu parler. C'est sérieux? C'est un truc de ouf, quoi. Je l'achète, je dis franchement, ça a l'air trop bien, et j'en ai entendu parler nulle part, tu vois. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir en parler, et tout le monde en parle. Donc, j'ai dû boire le tomber, en fait. Ça sert à rien. Alors, mais c'est moi, excellent. Je comptais en parler ce soir. Chez Dargaud. C'est édité chez Dargaud. C'est par Manu Larsenet que moi j'avais vu. Alors j'ai une petite histoire avec ce gars, il commence à me gaver. Ça me gave prodigieusement. Parce qu'en fait, il y a quelques années, Blast qui est sorti. Et Blast qui me disait, mais genre vraiment bien quoi. Et je connaissais pas le type, c'est juste que tout le monde parlait de cette intégrale à 49 balles de Blast. Et vraiment, ça me chauffait de fou quoi. Et en fait, alors attends, deux secondes, hop, je fais. Voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, Blast de Manu Larsenet. 49 balles, le truc a été épuisé, mais en quelques semaines, moi, j'ai hésité à l'acheter, et, parce que bon, ça a 49 balles quand même. Maintenant, je crois que c'est 22 ou 23 balles, et il y a 3 ou 4 bouquins, si je dis pas de conneries. Et du coup, bah, là, c'est un billet aussi. Et là, la route, mais j'ai pas vu le film avec Viggo Mortensen. Qui... Ah, excellent le film. Et alors que Matt me l'avait vendu, mais de dingo. Et excellent, bah, j'ai une anecdote sur le film. Je suis allé le voir avec mon épouse. Et en fait, elle est sortie de la salle parce qu'elle n'en pouvait plus. Ah, mais... Et elle me dit, je suis sorti. Et je me suis dit, mais en fait, c'est beau la vie. Il y a des couleurs, tout va bien. Ah, mais c'est le problème. C'est vrai que c'est... Et moi, je l'ai commencé là. Et j'ai pas encore eu le temps de le poursuivre. Et pourtant, Spider-Man me l'avait vendu, mais de dingo. Et du coup, quand la route est sortie comme ça, donc d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, Manu Larsenet, je me suis dit, oh bordel, j'y vais. La couve fait très... alors, comme vous le savez, hein, je suis dans l'art, et du coup, ça fait très, très gravure. Et moi, son trait m'a vraiment attiré, parce que pour le coup, j'y reconnaissais pas trop, en fait, ce que je voyais dans ce que j'avais feuilleté sur Blast. C'est-à-dire que à l'inverse d'un dessin... En tout cas, j'ai souvenir d'un gros monsieur avec un gros nez dans Blast, pas très fin. Tu parlais de Manu Larsenet, tu vas trop loin. Un pain dans la gueule. Et pas très fin, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est blindé de détails et d'une finesse incroyable. En fait, c'est un monde post-apocalyptique. Tu sais pas trop ce qui s'est passé. Tu sais juste que c'est la merde. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il n'y a pas un troquet, pas une mobilette. Il n'y a pas un piaf. Il n'y a rien. C'est la mort. Les mecs, ils sont vraiment dans un no man's land complet. Et donc, c'est un père. Et autant vous dire qu'évidemment, que, bah, j'ai des enfants comme tout le monde. J'ai un fils qui plus est, et pas des moindres. Et bah, il traverse comme ça, d'un point A à un point B, lui, avec son fils. Et c'est d'un désespoir... absolu. J'ai chialé trois fois pendant le truc. J'ai trouvé que c'est la route, mais la route que va faire un père avec son fils pour lui apprendre que la vie, c'est... Non, mais je vais pas essayer de te faire croire que ça va être bien, en fait. Ça va être la merde. Ça va être la merde, puis mon gars, il va falloir que tu... Putain, j'en ai envoyé un gros, là, sur le micro. C'est la bière, ça mousse. Et non, mais blague à part, ça va être la merde. Et enfin, je veux dire, il y a des moments, mais d'une dureté
où il le confronte à la vie, ou plutôt à la mort de ce lieu, où vraiment il n'y a rien à bouffer, où il le prépare au fait de, bah, d'affronter cette mort imminente. J'essaye d'être cryptique, mais ce n'est pas non plus super évident. On a compris que c'était la merde. Ah ouais, mais c'est au-delà de ça. Et puis alors, putain, mais la... Je trouve que le terme, la force des images, prend tout son sens, quoi. C'est-à-dire que le mec raconte un bouquin, puisque ça sort de là, et du coup, on en parlait avec Matt pas plus tard que cet après-midi, du fait qu'ils ont sorti le roman de Cormac McCarthy, La Route, illustré par Larsenet. Et j'ai vachement envie de me l'acheter aussi, en fait. Et c'est ouf, il y a très peu de dialogue. J'aime beaucoup la poésie du titre, parce que c'est pas la route, c'est pas le road trip du tout, hein. On n'est pas du tout là-dedans. Hein. N'empêche qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée, quoi. Et c'est dans ce sens-là aussi où c'est la route. Et moi, j'ai pris une claque, mais d'une force, mais graphique, constamment, je me suis posé la question de... Et ça n'arrive pas toujours, ça. De bordel, mais qu'est-ce que je ferais à sa place, bordel, est-ce que j'utiliserais les mêmes mots, est-ce que je dirais pareil à ma fille ou à mon fils, comment je ferais dans ce lieu avec mon fils, comment je pourrais m'en sortir, comment lui pourrait s'en sortir, c'est déjà pas simple dans la vie de tous les jours, mais dans celle-là ça l'est encore moins, et putain mais il m'a retourné ce bouquin de ouf. Et si, ouais, si vous l'avez pas lu, mais putain, faites-vous ce cadeau, quoi. Parce que, là, il commence en plus à passer sur pas mal de télé, puis à dire justement le processus créatif, parce que c'est quelqu'un en plus qui a des troubles. Il est schizophrène, enfin, tu sens que ça va pas bien, quoi. Et putain, le mec, il dit, bon, allez, pour aller mieux, je vais m'attaquer à la route, quoi, tu vois. Et bordel, mais il... Je pense qu'il n'y a personne qui pouvait le faire comme ça. Et je pense vraiment, sincèrement, qu'il n'y a personne qui pouvait le faire mieux que lui, quoi. Il y a des charniers, il y a les... Enfin, c'est... Barry Windsor Smith, peut-être. Alors, pour le coup, je n'ai pas encore lu Monstre. Donc, je pense que c'est aussi par rapport à ça que tu dis ça. Je vais te dire un truc. Si tu sais que tu vas avoir un petit week-end de 3 jours, tu vois, un peu ensoleillé, que tu te dis « Oh, tiens, je sens que j'ai un peu trop le moral, tu vois, ce vendredi après-midi, pour attaquer mon week-end, je vais me faire la route, et puis derrière, bon, voilà, tu vas passer un bon week-end de merde. » Ah bah, il faut, par contre, c'est pour ça que je te disais ça par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les exilés, c'est clair qu'il faut l'attaquer vraiment. Alors, pour le coup, il se lit vite. Très clairement, parce que alors il se lit vite, mais bordel, les pages, mais c'est tu les contemples, tu les analyses, c'est incroyable, c'est-à-dire que les charniers, les corps où il manque des doigts, il y a il y a un moment donné où il rentre dans une baraque, pareil, je peux pas vous dire quoi pourquoi évidemment, mais dans cette baraque, il y a plusieurs grosses cases, plusieurs zooms sur des trucs, c'est beau. Je veux dire, il y a ça s'apparente à des asticots, c'est pas ça, hein, mais ça s'apparente à des asticots. Et putain, mais comment tu peux trouver ça beau? Tu vois ce que je veux dire? Il arrive à rendre beau l'ordinaire, puisque en plus, dans ce monde-là, c'est absolument pas ordinaire. Là, pour le coup, je vous spoil juste une toute petite scène parce que on tombe dessus là. Et à un moment donné, le gamin qui n'a jamais vu un piaf vivre, qui n'a jamais vu quoi que ce soit de vivant dans ce monde. Il a vécu vraiment l'enfer depuis qu'il est né. Son père, il trouve une canette de coca qu'il ne veut pas partager. Et il lui dit, tiens, tu la bois en entier. Et en plus, avec cette petite, cette petite autorité qu'a le père, et il comprendra plus tard que c'était un geste de gentillesse, et pourtant il le fait avec autorité. Tu vois ce que je veux dire? Le coup de tu la bois, tu la savoures et surtout tu garderas à l'esprit toute ta vie ce goût-là. Putain, mais moi, ces 4 cases m'ont flingué de chez flingué, quoi. Enfin, franchement. Et encore une fois, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Quelle édition? L'édition avec la couleur ou celle totalement noir et blanc?
Alors, de tout... y a une... en fait, il y a une édition. Le bouquin normal est à 29 euros, je crois. Et ouais, ce bouquin-là, il est en fait en nuance de gris. Il n'est pas ouais, tout à fait noir et blanc. Avec des fois, moi, ce que j'appelle des... Merde, des... Il y a un peu de couleur, des fois. Des monochromes ouais, ou je sais pas. Ouais, non, 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 mais des... Un lavis, quoi. Un... ouais, non, j'ai pas le terme, mais enfin, en art, quoi. Mais bref, il y a du fond coloré, quoi. C'est des gris avec de la couleur, quand même. Mais pas trop. C'est surtout noir et blanc, hein, très clairement. Et par contre, effectivement, il y a l'édition à 39 balles, ce qui, je crois, est un petit peu plus grande, et surtout en noir et blanc, pour le coup. Mais je trouve que ça gâche un petit peu, et moi, je... Enfin, ouais, c'est la 95 est très, très bien. Ah, putain. Et puis, excuse-moi, et après, je te laisse... Mais chaque case, tu l'agrandis, tu l'accroches, quoi. Il est... Comment tu peux rendre beau et poétique la désolation? Tu vois ce que je veux dire? Le côté dégueulasse, crade. Enfin, il arrive à. Ouais, ce mec est un génie. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais Thomas croit que du coup, je le conspuais avant. Et pas du tout. Moi, je ne connaissais pas ce qu'il faisait, Manu Larcenet. Et c'est un mec qui démarre chez Fluide Glacial à la base. Hein. Et pour rebondir du coup sur Blast. Je me flagelle de ne pas être allé sur l'intégrale 10 ans plus tard, en fait. De me dire, mais quel connard t'as été de pas foncer là-dessus, quoi. De pas le tenter, parce que t'aurais à coup sûr aimé. Et putain, mais s'il y a quelqu'un qui a Blast intégrale et qui ne le revend pas au prix d'or, parce que là, on le trouve à 300 balles sur les, en intégrale. Sérieux? Ah ouais, je t'assure, alors qu'il coûte 49 euros, enfin qu'il coûtait 49 euros. Encore une fois, une autre édition existe, mais en gros, t'en as pour 80 balles, quoi. Et putain, mais ouais, bah franchement, je vous l'achète direct. Hein. Je crois que je vous fais un PayPal tout de suite pour l'avoir. C'est... Non, vraiment. C'est... ça se voit que sa femme est occupée ailleurs. Hein. Non, mais... Je vous fais une. Oh là. Non, mais. Oh. Non, mais... non, mais... C'est ouf à quel point, en fait. Quand même vérifier si je l'ai pas dans mon livre. Non, mais... c'est quand même ouf qu'avec un album, ce mec m'a retourné, et c'est pas que je suivrai ce qu'il va faire, c'est que je vais acheter absolument tout ce qui va sortir. C'est à partir de maintenant, je vais peut-être pas repartir sur ce qu'il a fait, à moins que je tombe encore une fois sur une occasion, mais c'est un nom qui ouais, restera gravé à vie, quoi. Et putain, mais allez-y, et c'est quand même ouf de donner envie d'aller en BD sur l'œuvre originale, et je vais me la faire aussi, et je vais acheter l'édition illustrée. Enfin, après, il faut encore une fois, faut aimer ce genre-là, faut aimer la noirceur, faut accepter la noirceur, parce qu'autant vous dire que ça, c'est pareil, hein, j'ai pas développé, mais c'est un peu la manière de Walking Dead, il va pas tomber que sur des gens sympas, hein, vous vous doutez bien. Et ouais, non, enfin, franchement, et encore une fois, je reste cryptique, je veux pas vous dire certaines choses, mais c'est le fond du fond du fond, quoi. Putain, c'est incroyable. Et encore, ouais, moi j'ai vu que le film, et je crois que dans le film, justement, il y a des scènes qui n'existent pas, qui sont uniquement dans le livre. Ouais. Voilà, et je crois que dans le livre, ils vont quand même très très loin, quoi. Et pourtant, c'est pas moi cam, hein. Je vous l'avais dit la dernière fois avec les vautours. Ce genre-là n'est pas ma cam du tout, quoi. Mais en fait, il y a tellement de... Moi, dans ce bouquin, il y a vraiment, je sais pas toi, j'ai mais vraiment, mais ouais, toutes les situations, je me demandais ce que j'aurais fait moi avec mes différents gamins, quoi. Enfin, et putain, mais... Moi, ce qui m'a le plus mis sur le cul, tu vois, c'est que... on a vu quand même, tu vois, des trucs apocalyptiques. Mais à chaque fois, j'ai toujours eu le sentiment que dans n'importe quelle œuvre apocalyptique, il y avait malgré tout une petite lueur d'espoir. C'est ça, ouais, tu vois, je suis d'accord. Et là, il n'y en a... J'ai pas ressenti une lueur d'espoir. Ce que j'ai... Déjà, c'est que... Tu vois, je parlais de la canette de coca, et du coup, je vais me raccrocher à ça, justement, pour ne pas vous spoiler autre chose. Même ça, ça pourrait être un moment de bonheur. Ça l'est pas. Mais... Tout de suite, au moment où il aboie. C'est-à-dire qu'au moment où il aboie, il sait qu'il n'en boira plus. Et systématiquement, après un moment sympa, et quand je dis sympa, putain, vous verrez, hein, tout de suite après, il y a un truc qui redescend, qui fait redescendre le tout. Putain, mais. C'est... Wow, mais...
Et puis ouais, enfin moi son dessin, il y a un moment donné ils sont dans la neige, enfin il y a une tempête de neige, cette case tu les vois pas et pourtant putain c'est magnifique. Comment c'est possible d'arriver à faire un truc pareil, tu les vois pas et bordel c'est magnifique. Attends, c'est fou quoi. Ce mec est dingue, franchement. C'est un truc du coup qui pourrait vous dire, vous, messieurs. Oh bah moi, tu m'as donné envie de le lire alors que je l'ai lu. moi, j'ai vu le, quoi, comme je disais, j'ai vu uniquement le film. Après, je serais curieux de voir un petit peu comment il a retranscrit, parce que j'ai entendu quelques interviews, quelques vidéos où il expliquait justement toute cette démarche artistique qu'il a eue, toute la difficulté aussi de reprendre le livre case par case, plan, quoi, paragraphe par paragraphe. Mmh. Et donc, je suis assez curieux de voir un peu ce qu'il en est. Après, dans le film, moi, je trouvais, alors après, c'est peut-être que parce que c'est un film, mais ouais. Il y avait quand même des moments un petit peu de joie, effectivement. Là, tu parles de la scène de Coca, etc. Mais pour moi, ça reste un... Effectivement, tu pourrais penser, ouais, ils vont plus jamais en boire, mais pour moi, ça reste un moment de... En tout cas, dans le film, tel que c'est montré, fugace de bien-être, où ils sont contents, ils ont oublié le reste finalement. Mais donc je suis curieux de voir un petit peu comment ça peut se ressortir là en BD. Mais et tu vois, celle-là, je l'ai vue en fait dans le film. Celle-là, je suis allé au moins jusqu'à ce moment-là. Et sauf erreur de ma part, parce que je l'ai pas encore lu. Et sincèrement, je vais le relire. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je le relirai de temps en temps, vraiment. Et il me semble que lui, par exemple, ne la boit pas, contrairement au film. Et je trouve que ça, c'est symptomatique des deux œuvres en fait. Il y en a un qui est vraiment allé à fond dans la noirceur et qui, où il n'y a pas d'échappatoire, quoi. C'est comme ça. Et l'autre où, effectivement, il y a quand même une once, il y a un partage entre les deux. Là, il n'y a pas de partage. Il y a maintenant, tu fais ce que je te dis, tu bois la canette et tu savoures. Et je veux que tu t'en souviennes toute ta vie. Et moi, le côté en plus, et vous êtes tous pères, le fait de tout faire pour son fils ou sa fille et de le préparer au pire. Et quitte à dire des choses qui choquent, mais parce que tu veux qu'il soit blindé, quoi. Mais bordel, moi je dis souvent à ma fille, je suis pas quelqu'un qui gueule souvent. Moi je pars du principe où que ce soit gueuler ou une tarte, et pourtant c'est pas bien. Moins tu en mets, plus elle marque. Plus tu fais une réprimande, moins tu fais de réprimande. J'ai une sœur qui n'arrête pas de gueuler, la suce nommée, à force de gueuler, c'est son gueulage a moins d'impact. Et en fait, je pars de ce principe-là aussi, quoi. Alors, si tu peux ne pas gueuler, c'est encore mieux, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des fois, je dis à ma fille, je suis en train de t'engueuler et ça ne me fait pas plaisir, mais c'est mon boulot de le faire. Et là, on est complètement là-dedans, en fait. C'est-à-dire que le mec est dur avec son fils, alors que la vie est déjà dure. Mais... Bah, c'est la question que ça pose en fait. Tu vois, c'est d'une certaine manière comment tu prépares au-delà de la BD, comment tu prépares tes enfants à la difficulté de la vie. C'est complètement ça. Est-ce qu'il faut être très très cru, être relativement cash avec eux quand t'as un décès, n'importe quoi, enfin tu vois. Ou est-ce que il faut essayer de maintenir en fait une certaine innocence jusqu'au bout et quitte à tomber dans la surprotection, tu vois. Et chacun fera comme il voudra. Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça en fait aussi, tu vois, que la BD elle marche super bien. J'ai pas lu le bouquin et j'ai pas vu le film. Je veux pas lire le bouquin, je veux pas voir le film. M'intéresse pas. Okay. Je préfère garder en fait ça comme ça. Je suis pas sûr de la relire en fait tout de suite parce que c'est quand même le genre de BD qui sont quand même assez lourdes et tout. Enfin, c'est pas le truc où tu te dis, tu vois. Enfin, moi je me dis pas je vais la relire tous les week-ends. C'est pas le délire. Mais c'est vraiment bien. C'est beau. C'est superbement bien dessiné. Un truc que j'aime beaucoup, tu vois, c'est
enfin, pas forcément que dans cette BD, mais on va dire d'une manière générale, c'est les silences, tu vois. Ah, les ouais. silences qui donnent du poids à une ambiance, à un questionnement intérieur. Et il y a une très, très grande maîtrise, en fait, des silences qui viennent à chaque fois ponctuer une action, un truc, pour vraiment appuyer un moment difficile. Et, ou pas, enfin, peu importe. Mais c'est, il y a vraiment une gestion des silences qui est géniale. Et juste, tu vois, sur le début aussi, pour vraiment, te coller dans cette ambiance, pour te, il a un don, Manu Larcenet, tu vois, pour te montrer, en fait, l'épuisement des personnages. Ils sont fatigués, ils ont peur, ils sont traqués, ils sont amaigris, ils sont au bout du rouleau, enfin c'est, et il te pose ça en quelques pages et sans forcément mettre des mots dessus. Wow. Mais c'est extrêmement intense. Tu vois ce que tu disais, je trouve que non seulement il y a une gestion des silences, mais je trouve vraiment aussi qu'il y a les mots que le père dit sont pesés, mais dans tout ce qu'il dit, justement par rapport au fait de... Et ça, c'est pareil, dans l'éducation... Parce qu'il sait que c'est peut-être les derniers à chaque fois. Mais ouais, et puis comme tu disais tout à l'heure, moi je trouve que ça, et ça je parle juste pour moi, c'est le plus compliqué pour moi dans l'éducation de mes enfants. Exactement ce que tu disais, à savoir... Et je crois qu'on en a déjà parlé aussi, mais le fait de trouver l'équilibre entre préserver l'innocence, mais en même temps ne pas les leurrer, ne pas leur vendre un truc qui n'existe pas, les confronter à la vie et des connards qui peuvent exister dans la vie, des criminels, des saloperies, et alors qu'ils sont pas forcément préparés à ce que tu vas entendre. Tu vois, quand tu entends des trucs à la télé, qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'ils l'entendent ou il faut les préserver? Ou il y a un âge comme ça où tu sais pas trop sur quel pied danser. Et là, en fait, constamment, à chaque fois qu'il y a une interaction verbale entre le fils et le père, où le fils lui pose une question, il a ce génie que toi, en lisant, tu comprends que le père pèse chaque mot. Mmh. Il se pose la question sur tout ce qu'il dit, ce qu'il va dire. Et c'est incroyable. C'est juste fou. Mais bon, on va arrêter là parce que sinon... Agé, ça te parle, ça te dit pas et... Je sais pas. Bah, déjà parce que je fais beaucoup de route tous les jours, donc... non, mais... non, je sais pas. En vrai, je sais pas. J'aime beaucoup ce que vous décrivez sur la relation père-fils. Ça, c'est un truc qui, effectivement, pourrait m'attirer. Et c'est un truc que j'ai découvert au travers de la lecture, justement, depuis que je suis papa et encore plus depuis que je lis du Jeff Lemire et du Jeff Lemire. Ouais. Qui est beaucoup axé sur ce genre de thématique là. Après, sur un peu l'autre pan de la BD, le truc un peu côté post-apo et tout, je sais pas trop en fait si c'est ce que j'ai envie de lire dans du familial, tu vois. Voilà, je sais pas. J'avais lu The Dog qui était, c'était The Dog, je crois. Ouais, Jeff Lemire, je l'ai plus. Stray Dogs, non, pas Stray Dogs. Danny the Dog. Non, mais c'est Dog. Il y a Dog dedans, c'est peut-être Lost Dog. Ah ouais, je sais plus. Lost Dog. C'était bien déjà bien. Un peu dur en vrai. Et les trucs avec les enfants, ouais, en général, c'est un peu. C'est un truc de toutoune à côté de la route. ouais, les trucs avec les gosses, c'est toujours. Ça peut vraiment m'attirer, mais en même temps, c'est le genre de truc, ouais, ça peut. Ça peut me détruire un peu le moral, quoi. Si vraiment. Alors, je pense entrevoir le truc, et moi, je te conseillerais plutôt d'y aller. Parce que justement, moi, j'avais une crainte, et non. Ok. Et donc, je pense que, ouais, pour le coup. Il y a Darkhead qui nous dit achète édition Glénat, on me l'a offert il y a longtemps. Mon ami est fan de cet univers, j'ai longtemps délaissé, mais je vais essayer. Il parlait de quoi, du coup? Dragon Ball. Dragon Ball, ok. Truc avec Son Goku. Ouais. Non, mais en tout cas, ouais, enfin, franchement, j'ai pris une tarte, quoi. Enfin, je m'y attendais pas, et putain, mais ce mec, c'est tellement fort ce qu'il a réussi à me faire ressentir que putain, ouais. Mon avis, t'as aimé, toi. Ah ouais, non, mais vraiment, je suis désolé. Hein. Mais je vais aller sur la suite. Enfin, la suite. Oh, après, ce sera pas la priorité. On attend la route 2. La route 2, ouais. And the road again. The road again. Bref. Mais en tout cas, mon enfant de Mouscadou, c'est vraiment top, quoi.
Monsieur Fred. Je suis Fred. Content de vous avoir présenté cette BD, ça m'a fait plaisir. Putain, je suis désolé, j'ai... Non mais... Il est venu, c'était nickel pour G. C'est... T'as pas autre chose, G. Si, attends, je vais trouver. Je suis désolé, mon G. T'as une au hasard. En plus, je t'ai dit que je devais la faire. Bon bah Hergé, un petit auteur qui a l'avenir devant lui. Voilà. Plutôt derrière. Voilà. Tinting. Ouais. Tinting. Tintin. Je sais pas si vous avez vu là récemment, si vous êtes passé en librairie, j'ai vu qu'il y avait une intégrale Boulet Bill qui était sortie. Ouais. Elle est magnifique. Alors j'ai pas compris parce que Tom m'en avait parlé et m'avait dit que c'était une exclue Leclerc. Bah moi je l'ai vu effectivement dans un Leclerc machin là. Et bah c'est une exclue Leclerc. Ok. Et donc t'as les, je crois, les bah, la moitié, parce qu'il doit y avoir 30. Ouais, je crois qu'il y a 35 tomes dedans et il doit y en avoir 70 actuellement. Et c'est pas si cher que ça. On est sur du 50 ou 60 balles. Hein. C'est pas énorme. Ouais, c'est ça. Elle fait 59, je crois. Alors, ouais, c'est ça. Si je dis pas de conneries. C'est pas impossible du contraire. Il y a, Tom me disait qu'en fait c'est parce qu'il avait été édité chez deux éditeurs différents et du coup dans ceux-là tu retrouvais que ceux de je sais pas qui, du coup je sais pas quel éditeur, mais du coup tous les autres qui avaient été édités chez quelqu'un d'autre, ils étaient pas dedans. Ok, bah comme un peu les Lucky Luke et les Astérix, du coup c'est un peu galère, hein. Ah ouais, bah, je sais pas du tout. Mais ouais, ça, moi, ça, en tout cas, beau bébé et bel objet, quoi. Avec dos toilé et tout, là. Ouais. Franchement, ça avait l'air très, très cool. Puis Boulet Bill, quoi. Franchement, de fou. Monsieur Fred, t'avais un autre truc ? T'avais un truc, déjà. Oui, j'avais un truc, mais je voulais revenir sur la route. Mais vas-y, je t'en prie. C'est, bon, moi, je le récupère demain, mais ça m'a beaucoup plu à ce que t'as dit sur la relation père-fils. Bon, moi, j'ai une fille, mais... tout ce qui découle avec cette séquence-là sur cette canette de coca, je pense que oui, je vais adorer le récit, parce que j'aime bien l'univers post-apo, mais j'ai vu une interview de Larsenet qui avait contacté l'auteur du roman, et il lui disait « Alors moi, je ne sais pas manier les mots, mais par contre, ouais. Je sais faire de beaux dessins, en gros. » Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et qu'il a fait la BD. Et il lui a dit, je sais que je vais bien le faire. Sais que je vais. Et il dit, c'est pas vrai, hein, j'avais les jetons parce que je savais pas comment j'allais faire. Mais il dit, vraiment, je lui ai vendu le truc en lui disant, je sais que je vais le faire. Quoi. Mais tu sens quoi ? Il s'approprie le truc, il dit que c'est vachement documenté à aller bah, oui, voir des corps décharnés, les camps de concentration, les charniers. Comment ? Complètement ça. Ah ouais, non, mais enfin, il disait par exemple que. Il dit au début, bon ben bah, voilà, je leur mettais un gros manteau, quoi, en gros. Et puis j'ai vu les SDF, alors je sais plus quel pays, d'un pays de l'Est ou machin. Et il dit en fait, ils ont 5 écharpes, des trucs un peu mis dans tous les sens, machin. Et, et moi, je me suis dit, mais putain, mais oui, en fait. Ils font avec ce qu'ils ont, comme ils peuvent. Et du coup, il a vraiment pris ça. Et tu sens, ouais, il s'est vraiment documenté. Il a bossé de dingo. Et puis, je te dis, moi, je m'attendais pas à un dessin aussi, mais ouais, précis, quoi, bordel, avec autant de détails. Enfin, il y a des cases, je te dis, tu peux les encadrer, les foutre sous verre et terminer, quoi. Truc de fou. Et du coup, est-ce que tu as du Spirou, oui, peut-être? Non, je n'ai pas vu Spirou. Ça veut dire de rebondir avec ce que tu as dit. Alors, dans l'idée, on va se faire mal aux yeux et hashtag frustration. Ça s'appelle Bowen, tome 1 et 2. D'accord. C'est de Gilles Formosa, ouais, qui a été un des dessinateurs de Bug Dany. Ok. Donc, c'est tome 1 et 2. Le 3, il est en cours, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Peut-être jamais. Voilà, donc hashtag frustration, comme tu peux le voir. Donc l'histoire, c'est, on est en 1956, dans le Nouveau-Mexique, il y a deux sergents, donc le sergent-major Bowen et le lieutenant-colonel Cox, c'est deux pilotes d'une agence secrète militaire, qui vont exploser leur avion en plein milieu du désert. Et leur supérieur va leur dire, bah, vous allez vous faire foutre, moi je ne vais pas vous sauver,
vous aviez qu'à faire attention au matériel. Et ils vont se retrouver en plein milieu en fait, de la zone 51. Et du coup, ils vont tomber sur un bunker un peu high-tech. Et ils vont s'apercevoir que c'est aux mains des Russes. Et ces Russes ont une arme avec une technologie plus moderne que ce qu'il y a dans les années 50. Et on va leur proposer un deal. Soit vous participez à notre programme, soit on vous zigouille. Donc ils vont se battre tous les deux. Les deux, Bowen et Cox, vont se bastonner. Et on apprend en fait que Bowen, il n'est pas si patriote que ça. Et le premier volume, c'est l'homme le plus haut. C'est pour la conquête spatiale avec cet appareil. Et le deuxième, tu t'en sais un peu plus sur... Le passé de Bowen pendant la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, tu te doutes bien que qui dit désert du Nouveau-Mexique dit zone 51, dit extraterrestre. Et c'est le tome 3 devrait parler de ça. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il sort. S'il sort un jour. C'est un jour, voilà. C'est comme Adamson dont j'avais parlé la dernière fois. Et alors, j'ai quand même mené ma petite enquête. J'ai contacté Formosa sur Messenger. J'ai lui demandé si c'était en cours. Il m'a dit oui, mais on ne sait pas quand est-ce que ça sort. D'accord. Donc voilà. Alors c'est sorti assez vieux, hein, ça date de 2011. C'est lui ? Non, ça c'est pas lui. Non, ça c'est Jules. Ça. Cette mèche est incroyable. Non, c'est vrai. Après, bon, les dessins, je vais te montrer les pleines pages quand même. Ouais, non, franchement, c'est. Mais moi, j'aime bien le côté, ça mêle plein de trucs. Tu vois, ouais. Les conflits. Comment russe, américain. Attends, bouge pas. Ah, plus haut, par contre. Là. Plus haut. Hein, j'ai l'impression d'être. Ça fait photo de mariage. Souriez. Souriez. Vas-y. Droite à gauche. Ouais, ouais, c'est bon. Ah non, mais c'est non, c'est beau. Voilà, c'est sorti chez Glénat et j'avais trouvé l'édition collector dans une bourse d'échange. Il y a eu deux, ils ont sorti deux grands formats. J'ai que le volume 1 en grand tirage. Ils avaient sorti ça avec des couvertures en simili cuir. Une en doré et une en imitation argent. Et ça valait, quand c'est sorti, 90 balles. Et l'édition 2, je l'ai payé 30 balles. Quoi. Ah ouais, avec des ex-libris signés, numérotés. Et évidemment, quand tu veux trouver la numéro 1, celle qui est toute en argenté, tu coupes une couille et puis tu vends un rein et un bras. Quoi. Non, mais franchement, mais... Ouais, c'est un truc qui me botte. Hein. Bah, c'est ça, du coup. Ouais, c'est ça. Bah après, bon, je vais pas te mentir, je vais l'acheter quand le 3 sortira. Hein. Faut pas déconner. Voilà. Je vais pas me faire avoir. Mais ça pourrait botter aussi, Nico, je pense. Ce côté, effectivement, Bug Dany, machin. Mais le côté conspiration, et puis... Oui. Pas trop sur qui tu peux compter, tout ça, ça peut être très très cool. Quoi. Et en plus, on retrouve le sergent-major Bowen dans certaines aventures de Bug Dany. Ah ouais, crossover. Ouais. Crossover. Ah, classe. Le Bowenverse. Le Bowenverse, ouais. Non, mais ça peut être très cool. C'est un truc qui peut vous dire, vous, les gars, ou pas du tout? Techniquement, oui. Mais après, ça calme, quoi. Quand tu... Le tome 3, on ne sait pas quand. Et quand c'est ça. À la fin du tome 3, ce soit marqué à suivre dans le tome 4. Alors, Fred, il est spécialiste. Hein. Il est spécialiste pour nous faire des... Pas tout le temps. Gars, ces deux tomes sont géniaux. Bon, par contre, le problème... je peux pas la série s'est arrêtée. C'est que la série s'est arrêtée. Hein. Merde. C'est un concept. C'est ça. Non, mais les bouquins qu'on ne finira jamais. Tu vois ça pourrait être un titre d'émission. Ça, ou un titre, tout court. On imagine la fin. On imagine la suite. Ouais, mais ça pourrait être cool, par contre. Ouais. Tu prends que les BD. Ou vraiment, c'est... Voilà, ça s'est arrêté au tome 2, et puis tu fais la suite. Ça pourrait être cool. Enfin, tu proposes ta version, quoi. Non, en tout cas, ouais, moi, c'est ce côté-là, effectivement, ce côté sur... Tu peux compter sur personne, et tout le monde peut être une saloperie de traite. Et puis alien, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu fous des extraterrestres là-dedans, au moment où tu t'y attends pas forcément. Non, moi, j'adore. Hein.
Bah, en fait, sur la chasse, des Russes et des aliens. Qu'est-ce qui peut mal tourner? Franchement. Et si non, tu regardes clair. Sur le fond de la couverture, là, ouais. T'as le visage de l'alien. Là. Ah oui, ouais. Tout à fait, oui. Attends, je vais le mettre en grand parce que j'ai le pouvoir de mettre ça en grand si j'y arrive. Là. Pouvoir, non, mais si, regarde. J'ai le pouvoir. Effectivement, on le voit. Ouais, et ben. Mais non, c'est une cagoule qu'il a en fait dans ce. C'est ça. Truc. Non, il est là, l'alien. Ouais, l'alien, contre... il est derrière. Et par contre, c'était quoi le sanctuaire des exilés, je sais pas quoi là. C'était quoi? C'était un deux tomes. Oui, mais comment ça s'appelait? Le sanctuaire des hérétiques. Le sanctuaire des hérétiques. J'ai reçu le deuxième. Écoute, je sais pas si le premier il arrive à d'autres tortues ou quoi. Ça fait 15 jours qu'il est parti, le bordel. Je sais pas comment il faut. Je sais pas comment il est merde. Alors moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse du 2? Je vais pas commencer. Ouais, non, ça va te spoiler. Attends. Non, mais ça avait l'air vraiment, vraiment top. Hein, pour le coup. Bah, écoute, merci pour cette Rocco de Bowen. Et je pense que ouais, je dirais à Nico, regarde un petit peu le. En ce moment, il est très franco-belge aussi. Mmh. Et je lui dirais, regarde un petit peu le. C'est vraiment trop cool. Qu'est-ce qu'il dit, G avec des BD, Jules, t'es trop fort. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, parce que tu. Bah, il lit plein de trucs, G. Il lit pas que des comics. Il lit pas qu'il y a de la merde. Attends. Tu te rends compte, on, deux minutes près, il faisait un live sur Ghost Machine. Putain. Alors ça. J'aime tout l'univers. Ça, c'est dégueulasse. Oui, mais ça prouve que c'est un habitué des émissions, Jules. C'est vrai. Et un jet du coup qui t'énerve. Et un très grand lecteur de BD, Julien, je tiens à le dire. J'ai pas dit que ça m'énervait. Ah non, je croyais que tu parlais de Ghost Machine et du coup ça t'énerve. Ah non, j'ai dit moi j'adore l'univers. Ben moi aussi. Et pourtant, t'es prêt à pas l'avoir chez Urban Comics? Ouais. Urban Comics? Pourquoi? Ben alors François. Arrêtez, mais je peux demander, je vois François au fin avril. Là, j'ai une interview. Ah ben demande-lui. Bah oui. Non. Si lui ça demande arrive, pas. Arrive. De quoi? On n'est pas sur une demande, on est sur une menace. Une menace. Mais dis donc, tu les as vus les deux gros barbus là? Tu le vois quand? Attends, tu le vois quand? À la Paris Fun Festival? Eh ben nous on lui retourne son stand si on n'a pas la réponse. T'entends bien? Ah vraiment, non mais en fait on en parlait effectivement en off. Ghost Machine, moi c'est aussi quelque chose qui m'attire de fou. J'ai adoré Giger, j'ai adoré John Kirby. Moi aussi. Et puis franchement, ça annonce du lourd quoi. Mais. J'ai lu le premier épisode de Red Code. Et il paraît que c'est bien. Mais je connais un gars qui m'a dit pour en parler. Rendez-vous dans le live. Non, puis c'est tellement frais comme univers partagé. Enfin, mais c'est... carrément. Ouais. Je ne comprends pas les gens. Enfin, c'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, hein, mais je suis tombé sur plein de personnes qui ça m'ont dit. Ça va être un jugement de valeur. Il commence comme ça. Oui, évidemment. J'ai lu plein de retours où les gens disaient. Ouais, Giger, je trouve que c'est du copier-coller de plein de trucs. Alors oui, ça s'en inspire effectivement, mais et pareil, Junkie Arjo, je sais pas. Alors moi, j'étais plus mitigé à Junkie Arjo. Je l'ai relu et je l'ai beaucoup plus apprécié à la deuxième lecture. La première fois que j'ai lu Junkie Arjo, je trouvais ça sympa, mais à part le cliff où effectivement. Attendez, comment ça, quoi? C'est complètement ça. Non, c'est je ne suis pas là pour le moment, quoi. Tu vas vite. En fait, j'y crois tellement pas. J'aimerais y croire, mais quand tu vois qu'ils ont abandonné Black Hammer, mais comme une vieille merde, quoi. Sur le bord de la route, quoi. Ça, là. Oui, on va faire Justice League, rencontre Black Hammer. Oui, on va publier aussi Doctor Star, machin. Ils l'ont fait. Mais oui, ils l'ont fait. Et après, plus rien. Allez, on tire le rideau. Plus de son, plus de mais Black Hammer, c'est pas Geoff Jones, c'est ça le truc aussi. Et puis, il faut se donner les moyens de s'en. C'est un argument. Je pense vraiment, sans rire, c'est vraiment un argument. Hein. Genre, Geoff Jones, c'est un créateur d'univers chez DC. On peut lui donner à peu près tout ce qu'on veut. Enfin, les Green Lantern ont fonctionné, c'est Aquaman, New 52 ont fonctionné, il y a plein de trucs qui ont fonctionné. Moi, je suis convaincu. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de me convaincre. Moi, je veux. Jeff Jonesien depuis 1995. Mais en fait, si tu veux, je pense très sincèrement que pour que ça marche en France, un temps soit peu, il faudrait, comme tu disais, qu'ils y mettent les moyens et que du coup, ils débarroulent un baroud d'honneur, justement, pour vraiment que ça ait de l'ampleur et que ça ait de la gueule et que tout le monde y aille. Mais s'ils le sortent en catimini, comme ça,
Bah, je pense qu'ils vont l'avoir dans l'os et nous pareil, quoi. Il faut s'appuyer sur. C'est sûr que la com de Giger, elle était pas folle, quoi. Ah non, mais c'est vrai. Ouais. Bref. Je me rappelle du logo sur Twitter, quoi. Bah, on en a plus parlé qu'Urban. Jane en a plus parlé qu'Urban. Alors là, hey, mon pote, il a fait une review VO, une review VF, un bilan. Le mec, et attends. C'est... Un bilan du bilan. Mais c'est complètement. Un before, 8 after. Oh, oh. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est fou, en fait. Et du coup, tu te dis, ouais. Mais ouais. Ouais, mais après, j'ai l'impression. Pardon, vas-y. Non, moi, je. Oui, j'ai l'impression que Hercouy, il veut quand même draguer un peu le lecteur de BD. Ce serait peut-être l'occasion, voilà, de faire des beaux formats BD aussi. Tu vois. Alors, ils l'ont fait pour Gideon Falls. Pourquoi attendre et pourquoi les sortir en format comics? Si tu veux que ça marche, bah, c'est peut-être l'occasion de proposer à peut-être 10 balles de plus, mais avec un très beau format. Quoi. Ah, je suis d'accord. Ah non, mais alors... Mais... Et il mérite en plus un Giger grand format. Moi, je signe tout de suite. Hein. Des deux mains. Ah je bah serais oui, le non. Plus heureux, moi, des hommes, s'ils sortaient tous chez Urban, putain. Non, mais écoute, pour l'instant, ils ont... Faut que ça sorte déjà en VO. Enfin, ouais, voilà. Là, pour l'instant, on peut pas dire qu'ils ont du retard. Il y a Ground Zero, c'est deux épisodes, donc voilà. Ouais, qui seront intégrés dans un autre truc, non, en plus. Alors, François... Oui, François, ça va être intégré à l'ongoing Giger, mais quand ça va commencer un petit peu plus à sortir... Écoute, de toute façon, on va essayer de les interpeller, de leur proposer, pas un coup de main, tu vois, mais de dire, voilà, si vous le sortez, bah, essayez peut-être de faire une opération avec moi, entre autres, et peut-être avec d'autres, pour essayer de populariser un petit peu le truc, quoi. Enfin, voilà. Les gens ce serait pas une mauvaise idée, surtout que nous, on est gratuits. Parce que François, on l'aime beaucoup. Mais quand il va voir débarouler une dizaine de youtubeurs un peu en colère avec des pancartes à la fin de festival, il va moins faire mariole. Hein. Avec des mains grosses comme des couvercles de marmite. Ah non, mais putain, attends. Dis donc, François, il y en a qui font des TikTok, nous on fait des vidéos, quoi. Dire, on est sérieux, quoi. Parce que les scans américains, on peut toujours s'énerver, hein, ça change rien. Si là, le gars, on l'a en face de nous, tu vois, à un moment donné. Non, mais par contre, enfin voilà, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est qu'il faut. Enfin, c'est pas du tout le lieu pour parler de ça, hein, du tout. Mais tu vois, il y a quand même. Nous, on a une vision franco-française, en fait, du truc, mais sûr. À l'échelle mondiale, enfin voilà, ça marche quand même, tu vois. Parce qu'au début, c'était un petit truc, le petit label Mad Ghost, il y a. A priori, ça a super bien fonctionné, et donc du coup, eh ben, ils s'autorisent à créer un plus gros label, Ghost Machine, pour encore. Étant l'univers The Name et proposer tout un tas d'autres trucs avec tout un tas d'autres créateurs. Oh, donc, voilà. ils ont le vent en poupe. Ça se trouve, ça va foirer chez nous, mais bah, si ça foire en France, ça foire en France. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il restera la VO et ce sera très bien. Voilà. Après, moi, je suis convaincu que ce genre de truc-là, ça peut plaire vraiment à un grand nombre de personnes, des lecteurs de comics traditionnels, des lecteurs de bandes dessinées, mais tout est une question en fait d'envie, de moyens, de communication. Tu vois, de ça, communication. Ça aurait été un super sujet à parler dans une vidéo sur la continuité à sortir demain. Chez qui? Tu sais pas. La continuité. C'est toi? Je suis un G. C'est toi? Non, c'est un G, ouais. J'ai rien compris. C'est un G qui sort une vidéo sur la continuité. Mais non, mais c'est complètement dans le débat. Je veux dire, ressortir un nouvel univers aujourd'hui. Oh, mais la communication, j'en avais parlé dans le problème du marché du comics. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Et, là, on voit que chez Urban, ça a fonctionné. C'était les Last Star, je crois, qui avaient bénéficié d'affiches dans le métro, etc. etc. Il y a eu l'année dernière aussi, là, le truc en deux tomes. Là, Nice House on the Lake aussi. Nice House on the Lake. Et je trouve ça dommage que ce soit Nice House on the Lake qui a une affiche dans le métro et pas du Giger, tu vois, genre typiquement. Mais... Ah, mais il a eu le faux aussi. Hein ça aide aussi, hein, il a eu le faux. Ah non, mais on est d'accord. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, moi, j'aimerais bien rentrer dans le comics, mais j'y arrive pas. Bah, » avec l'univers partagé de Joe. C'est ça. Là, il y a moyen, hein, vraiment. Là, il y a vraiment moyen de rentrer dans un univers complètement. Ah ouais, là, tu es sur les deux premiers tomes de fin, c'est vraiment les piliers de l'univers qui sont là, qui sont en train de qui est en train de se créer sous tes yeux. Faut vraiment go, quoi. Mais non, mais c'est clair. C'est clair. Mais ça reste du comics et c'est pas le sujet.
Mais j'y reviendrai, hein, ça va être le truc de ce soir. Darskev, te pose pas de questions, mec. Tu dépenses ton fric, c'est obligé. Ah ouais, mais alors écoute, tu lâches ce burritos et tu fonces chez ton libraire. Ah ouais, non, franchement, c'est là. Faut arrêter les conneries. J'ai acheté Junker Joe. Mais pourquoi mais... Bah, attends, ma souris de merde à mort là. J'arrivais pas à changer de commentaire. J'ai acheté Junker Joe tellement G et Anto l'ont bien présenté. Mais évidemment. Salut à toi, Darskev. Et donc, librairie, hein, demain. Tiendrai le compte. J'ai un pourcentage. Et avec le code Jules et Nico, tu as droit à pas grand chose. Une caresse. J'ai eu une semaine fatigante. Je vais essayer d'être plus présent dans les lives. Je pense essayer faire un podcast qui botte de fou. Eh ben cool, franchement, tant mieux. Top. Et mais ouais, franchement. Moi, en ce moment, je papillonne. Je vais du comics. J'avoue qu'en comics, je ne lis plus beaucoup en fait en ce moment. Et du coup, je suis très très sur la. J'avoue, depuis aussi qu'on est sur l'apéro BD, et du coup, on se chauffe sur des trucs. Voilà. Et du coup, non, mais c'est ça vrai. Chauffer, et... On se chauffe, hein, oui. Ah, mais c'est vrai. Et du coup, on parle de trucs. C'est les cartes qui chauffent. Et pof, quoi. Et pof. Moi, j'écoute et... souvent et j'avoue que vous chauffez beaucoup. Oh, on est des chauffeurs. Fred qui dit j'ai commencé ça. Bon, je vais pas finir. Mais... On est des chauffeurs. Des céréales quoi déjà? Céréales glisseurs. Non, les sauteurs glisseurs. Les sauteurs glisseurs. Putain. Julien, du coup. Yep. T'as un truc. Que, je sais pas oui, si j'ai un truc. Un G boud. Il est pas content. Là, j'ai un truc. Il est parti lire Junker Joe. Ah, je crois que je l'ai déjà lu ça. Attends, bouge pas. C'est ça me parle, ça. C'est chi, hein, c'est ça. Ouais, c'est chi de. C'est pas de Zidrou et de Homme. On voit pas. Hop, on voit pas. On voit plus. Titre aussi, ça. Pardon. Alors. On voit pas. Tu la vois, tu la vois plus. Voilà. Ah oui, évidemment. Hop, je mets effectivement des visuels. Alors, je me demande si je ne l'ai pas déjà lu, ça. J'en ai déjà entendu parler. C'est sorti en 2017. C'est sorti en 2017, donc pas tout de suite. Il y a 6 ou 7 tomes qui sont sortis, je crois, à date. Et le premier cycle est en 4. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, j'avais pris les tomes 2 et 3, et en fait, je me suis dit, il faut que je relise le tome 1 parce que il y a des trucs qui me manquent un petit peu. Là, tu commences à mettre, oui, parce qu'il y a un petit peu de scène dénudée dans ce. Oui, bon. Oui. Oui, bon. Ah oui. Un jour, on sera striké. Hein. Non, mais très clairement. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de visuel, je sais pas de quoi vous allez parler, je le dis à chaque fois, mais j'ai pas de visuel, du coup, je vais les chercher sur Google. Un jour, je vais tomber sur un truc sale. Mais on vient de voir passer une levrette quand même après. Une partie fine et un kangourou. Voilà. Alors moi, c'est surtout qu'on soit passé de la levrette au kangourou. Tu dis, mais de quoi ça parle? Cette BD m'interpelle. C'est ça. Ah. Alors... Ah, pardon. Aïe, petite paire de fesses. Du coup, Shi, c'est la mort en japonais. Et donc, l'histoire, pourquoi j'ai eu du mal? Parce qu'en fait, l'histoire se passe sur plusieurs temporalités. De nos jours, à Londres, on a le procès du directeur, d'un truc qui est imprononçable, que je ne dirai pas, mais qui s'occupe de fabriquer des armes et, entre autres, des mines antipersonnelles. Il sort d'un procès pour lequel il a été accusé d'avoir tué, d'avoir causé la mort d'un enfant de 7 ans, etc. Il sort blanchi. Et quand il rentre chez lui, il y a une petite fête qui est organisée. Cependant, la fête ne se passe pas du tout comme prévu, puisque son fils court dans le jardin avec le chien. Il marche sur une mine, elle explose. Son épouse marche sur une mine, elle explose. Et, oui. Et donc, il y a une enquête, etc. C'est pas un hasard. Il y a une inspectrice du MI5, puisque ça se passe à Londres, qui lui dit, oui, voilà, en fait, vous avez été victime d'un groupe terroriste qui s'appelle Chi, dont les origines remontent
en Angleterre dans les années 1850. Et là, hop, flashback, on va en 1850, où on fait la connaissance d'une jeune Anglaise, Jenny Winterfield, qui est une femme un peu libérée, elle fait de la photo, etc. Donc, il participe avec sa famille, quoi, il visite l'exposition universelle qui a lieu à Londres en 1950. Et en fait, au cours de cette visite, elle photographie une japonaise. Et en fait, elle se rend compte que l'enfant qu'elle tient, le bébé qu'elle tient, est mort. Et donc, au lieu de réagir de manière un peu posée comme aujourd'hui, en fait, ça donne une déferlante de violence de la part des policiers pour arracher le bébé mort à sa mère. Puis après, la confier au directeur qui dit oui, je lui ferai une sépulture, etc. Sauf qu'en fait, il va l'enterrer dans un coin d'herbe avec un vieux jardinier, quoi. Du coup, comme un des animaux morts. Et donc, il y a tout un engrenage qui se met en place. Et on suit cette jeune Anglaise qui va être confrontée d'une certaine manière à un monde qui est très les hommes, quoi, très patriarcal, hein, très ancré dans un patriarcat. Et puis elle, on comprend vite qu'elle a fait des choses qui sortent un petit peu de la morale anglaise, qu'elle a été à un moment donné en Suisse, mais on comprend vite que ce combat pour faire ses études, il s'est passé quelque chose, elle a un passé. Donc, quand elle voit cette japonaise et son enfant, bah, forcément, elle va essayer de la retrouver, donc aller à l'asile pour la délivrer, de retrouver son enfant, essayer de lui faire une sépulture, etc. Donc, tout s'enchaîne. Et on a également, comme on a pu le voir dans cette maison close, un club qui se retrouve de temps en temps. Et en fait, ce sont des anciens militaires anglais qui ont combattu en Amérique et qui ont survécu à une défaite. Bah, ils ont été sauvés par des Indiens et donc en fait ils ont adopté leurs mœurs, ils font un pogo, ils fument le calumet, etc. Et en fait, eux, leur plan secret, c'est de reprendre les États-Unis et les remettre dans l'Empire britannique. Donc il y a plein de choses qui s'intercalent, qui se mêlent, et puis à un moment donné, au sein même de cette histoire, donc dans la temporalité, on a un flash forward, c'est-à-dire qu'on passe un peu plus tard dans la série où on voit les deux personnages qui sont poursuivis par un policier. Enfin, donc c'est très très dense comme histoire. Il y a beaucoup de thèmes qui, alors, là pour le coup, on a deux héroïnes, hein, donc qui vont à fond. C'est peut-être parfois un petit peu trop, mais il y a plein de choses qui sont dites, plein de secrets. Plein de choses qui sont montrées et surtout une histoire qui, de fait, des plusieurs temporalités, présent, passé un peu plus avancé, enfin, etc., l'histoire gagne en densité et du coup, c'est vrai qu'en lisant qu'un seul tome, on n'a pas toutes les réponses. Je sais que quand je l'avais lu il y a presque un an, je me dis, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas, voilà, je trouve ça un petit peu sans plus parce qu'il manque beaucoup d'éléments. Et en fait, tous les éléments sont dispatchés entre les quatre tomes, a priori. Moi, j'ai lu que les trois premiers. Mais il y a plein de petites choses qui se mettent en place et qu'on a envie de suivre. On se dit, bah, quel est le plan pour récupérer les États-Unis? Pourquoi ce marchand d'armes est victime de ce groupe? Comment ce groupe a été monté? Comment ils vont sortir de cette situation, etc. Donc, tout s'enchaîne au fur et à mesure. Et vraiment, c'est assez passionnant. Et pour ne rien gâcher, les graphismes... Homme nous donne des planches absolument superbes. C'est très très beau. Alors après, on peut émettre des réserves par rapport au réalisme, etc., de certaines choses. C'est peut-être un petit peu moderne dans les propos par rapport à ce qui se passait en 1850, quoique. Mais en tout cas, c'était une lecture assez intéressante. Et j'ai bien envie de finir au moins le premier cycle pour avoir tous les éléments en main et voir ce qu'il y en a. Et forcément, il y a un petit peu de... Il y a un personnage qui est japonais, qui est japonaise, il y a un petit peu aussi de culture japonaise, il y a un petit peu de truc, il y a peut-être un secret aussi, parce qu'au sein de, l'asile où elle a été enfermée, bah, en fait, on se rend compte que tous les autres pensionnaires de cet asile la traitent comme une reine, ils l'appellent leur reine, et qu'elle semble exercer une influence sur elle. On ne sait pas pourquoi. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, pour vous réserver un petit peu de suspense, si vous comptez le jeter un coup d'œil, ou en tout cas en médiathèque ou autre, hein. Il y a d'autres moyens de lire, mais en tout cas, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Quelqu'un veut rebondir? Moi, il m'a vu sur C'est une femme libérée, donc après...
au premier abord, j'ai envie de dire que je préfère mon histoire de violeur d'ours, mais ça peut être ouais, c'est une opinion tout ce qu'il y a de plus personnel. Quand même. Ouais. Moi, c'est... Les couvertures ou les images sont belles. Enfin, il y a de belles images. Ah ouais, c'est graphiquement, c'est ça envoie vraiment du bois. Quoi. Un peu folklore japonais, un peu. Là. Comment? Il y a un peu de folklore japonais, non? Un peu. Ouais, un petit peu. Cas, les coups à chaque fois, ouais. Il y a des trucs. Je vais essayer de vous trouver justement là. Par rapport à ça quelques. Mais c'est pour ça que je me souviens avoir. En fait, j'ai confondu les. J'ai lu un truc. Je me souviens plus du tout comment ça s'appelle. Mais justement, un peu japonisant comme ça. Et en fait, ça fait des lustres que je vois passer ces BD et que je les confonds, en fait. C'est un manga. Non. C'était de la BD. Et punaise, mais c'était un titre un peu pareil. Et vraiment, avec du folklore japonais de dingue. J'avais beaucoup aimé. Mais là, vraiment... Déjà, moi, j'adore Zidrou. Attends, bouge pas, je vais le mettre. Hop. Franchement... Oh, le tatouage, magnifique. Je kiffe Zidrou, moi je le vends à corps et à cri, mais si vous n'avez jamais lu La Mondaine, mais allez-y, c'est juste mortel. C'est en deux tomes et c'est une tuerie. Et franchement, moi, tu m'as hypé de dingue là-dessus. Alors je suis, comme vous savez, très facilement influençable. Tu as la gâchette facile. Oh là. Ouais. Mais ça va se voir, c'est un peu son. Et par contre, le premier arc qui est complet en quatre tomes, c'est ça? Ouais, c'est ce qui est écrit derrière. Premier cycle en quatre tomes. Putain, c'est beau. Non, mais vraiment, ouais. Bon, mais ouais, mais la série est toujours en cours. Voilà. ouais, mais... C'est thématique, ce soir. C'est... Alors, oui, mais Zidrou, en plus, c'est quelqu'un de très prolifique, notamment sur le scénario. Et j'ai aucun doute sur le fait que ça prenne sa suite et que ça se termine. Et le fait, en plus, de la construction en arc... Lui, c'est le genre vraiment à boucler ses trucs et on passe à autre chose. Et du coup, ça me fait carrément moins peur, quoi. Et bordel, mais ouais, c'est super beau, quoi. Et alors, je sais pas. Le cycle 2 est en deux tomes. Ah non, mais voilà. Non, mais moi, je sais pas sous quel format je vais y aller, mais je vais y aller. Non, mais voilà, c'est tout, c'est plié. Je vais y aller. Je vais y aller sur l'occasion. Ok. Alors, qu'est-ce attends, il y a plein de trucs. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? J'ai avec GBD, Jules, t'es trop fort. Ok, d'accord, je reviens, je fais un petit point de chat. Hop, je regarde si j'en ai pas loupé. J'étais chaud pour relire du comics, j'ai lu Ultimate Invasion, et c'est bien de la merde. Pas encore lu, je l'ai acheté, mais j'ai ouais, pas. Ouais, je l'ai acheté, moi, ça y est. Vous l'avez acheté? Ouais. Bah ouais, parce que je veux me faire cet univers en kiosque pour le coup. Bah moi aussi, c'est un peu enfin un kiosque pas VO, mais les c'est quoi ah c'est non, du VF. Bimestriel, ouais, c'est ça. Hein. D'accord. Bah, c'est... non, à mon avis, ça va être un truc à 16 balles. Putain, c'est moi, on parle à chaque fois. Ouais. Ça va être un soft cover, mais après la fréquence, ouais, c'est pas encore bien défini. Je vais faire un soft cover, je revends et ensuite j'attends les omnibus. On va pas viser. Pas content. Pas content. Ah ouais, non. Non, je vais le tenter. Il n'y aura pas de VF pour moi. Franchement, le Spider-Man, moi, de ce que j'ai lu, j'ai trouvé ça cool. Hein. Ah, merci, les gars. Ah, merci. Ah ouais, il est pas mal. Je vais à la tête de G. Je vois son live avec Anto. On a un petit peu les mêmes. Ah ouais, Spider-Man n'est pas bien, G. Non, c'est pas qu'il n'est pas bien. Déjà, je suis sous contrat avec Anto, je peux rien dire. Mais non, c'est. Ça vaut le coup, pas, a priori. Faut voir. Ça commençait très bien. Le 2, il y a un ou deux trucs où j'ai fait. Le 3, encore un petit peu plus. Et faut voir, en fait. Là, de toute façon, maintenant, on est lancé. Après, quand t'as pris Kiketo, il s'arrache au bout de 5 numéros. T'as envie de dire. Ouais, comme pour. Ah, bah, c'est un peu le problème hein, avec Kiketo. Hein. Ah, c'est un peu le problème des comics, quoi. Ça part vite. Ah non, il y a des mecs qui restent, hein, genre The Department of Truth, le mec reste jusqu'à la fin, mais on n'a pas le cycle 2. Quoi. Alors qu'on aimerait bien qu'il... Pardon. Ah, non, c'est pas vrai. J'attends le tome 5 avec impatience. Quoi. Putain, ouais. J'ai toujours pas lu le tome. Non, mais toi, The Department of Truth. Ouais, ouais, fouf. J'y ai. Toujours la merde. Fouf, The Department of Fouf. Fouf. C'est comme Old Geekman, Fouf. Ah ouais, personne n'arrive à dire mon pseudo. Oh, maintenant il s'appelle Julien. Tu sais, moi, Saturday Night Geek Live, j'aurais mieux fait que me couper des guitares. Hein. Franchement. SNGL.
C'est vrai. Mais c'est-à-dire, je me suis rendu compte où vraiment j'avais merdé au moment où Nico a essayé de le prononcer, sa propre prononciation, qui n'arrivait pas à prononcer le dossier. Ok, donc là, j'ai fait de la merde. Okay, j'ai été trop loin. J'ai été trop loin, c'est mort. Ok. Bref. Non, mais en tout cas, ouais, non, moi, chi, tu m'as... Vous avez une tonne de chi, quoi? Non, mais... Franchement, je vais y aller. Ouais. Et puis même, ouais, putain, cette couve, là, tout à l'heure, tu vois ce côté un peu en plus, ouais, monstre d'universal, quoi, tu vois. Un peu... C'est beau. C'est beau, quoi, bordel. Ouais. Magnifique. Bon, G, il avait autre chose ou il avait pas autre chose? Ah, bah non. Un boulet bouillé, un piboulet, un... Non, putain, si... Un si, bougez pas. Mais ça, j'en ai pas déjà parlé de la neige en deuil. Si, j'en ai parlé chez toi de la neige en deuil. La quoi? Non. La neige en deuil. Ça me parle, ce titre. Me... Bougez pas, je reviens. Je vous présente Redcoat. Comblé. ça me dit rien. La neige en deuil, j'ai entendu ce titre. Non, mais ça me... le titre me dit quelque chose. Mais il me semble pas qu'il en avait parlé sur la machine. Ouais, j'ai vu chez mon libraire ce truc, il me l'avait conseillé aussi. Oh, ouais. Oh, il y a tellement de trucs. Non, mais je vais jamais dans le rayon BD parce qu'en vrai, il y a tellement de dingueries. J'y suis allé hier, là, j'ai pris quelques photos. C'est, moi, je fais ça aussi, je prends des photos pour toi, des titres qui sont sur les étagères. Non, mais moi, je suis pas faux, moi, c'est pareil. Et qu'est-ce que j'ai vu? Bah, j'ai vu là, on en parlait, Fred, là, Elric. J'ai vu l'édition noir et blanc, un très grand format. Mmh. De quoi? T'as vu quoi? Elric, le nécromancien. Ah oui. Okay. J'ai vu aussi que le problème à trois corps était sorti en BD. Oui. Okay. Et je suis tombé sur un autre truc qui s'appelle Anamnèse. C'est chez Bubble. La couverture m'a intrigué, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Bubble, je sais pas, j'ai vu qu'ils avaient un projet en cours là actuellement. Ils ont un autre projet qui est en cours là. J'ai eu un mail là comme quoi Bubble m'a informé qu'il y avait un projet en cours. En fait. Ils se lancent dans les frites. Non, dans les chewing-gums. On va ouvrir des friteries à travers la France. Et non, moi c'est Abeus. Apam. Ben ouais, mais non, je crois pas que ce soit ça. C'est chez Dupuis, il me semble. Ah, ça sort au mois de mai. Ouais, ça a l'air très bien ça. Oui, Tom il a publié pas mal de trucs dessus. Ouais, ouais. Mais il a perdu le duel. On vous en parlera un jour de ça. Abeus papam. Et puis. Alors. Ouais, c'est ça, c'est Abeus papam. Non, attends. Abemus. Abemus. C'est Abemus papam. Pourquoi il me le montre pas, ce con? Putain, il y a une mouche, elle me casse les couilles. Je le trouve pas. Ah, mais en ce moment, il y en a pas beaucoup. Mais alors, celles qui sont là. Le Panthéon. Ah, elles sont casse-couilles, mais alors quelque chose de violent. Bande dessinée en un seul tome, en un seul mot. Mais attends, je le trouve pas, c'est fou ça. Attends. Sylvain Vallée, attends, je vais marquer Sylvain Vallée. C'est Vallée. Nouvelle. Attends, je regarde le chat parce que. Je sais pas ce que vous avez dit à un G, mais de la mal près. Il est parti cette fois. Non, il est parti chercher des frites. Ah, c'est Red. Ça? Écoute-moi bien, il y a un frelon qui est rentré. C'est la carte. J'en suis sûr. Ah non, mais alors, c'est Abemus Bastard. Regardez-le, l'homme moderne qui chasse. Qui chasse la secte. Attendez. Voilà. C'est ça, les hommes du 21e siècle, en fait. Il a bien fait fermer sa gueule. Alors, comment ça, bzzz? Alors, c'est pas. Je suis désolé, mais moi, ça me chauffe. Ah oui? Okay. Franchement, là, je sens que ça va chier les bulles carrées. C'est qui lit ça? C'est, là, c'est Sylvain Vallée, et puis, je le vois pas l'autre, Jackie Schatzenmann. La prochaine sortie, qui me chauffe, ouais. c'est chez Dargo. Et en fait, je savais pas si c'est un tome 2, mais du coup, je pense que je vais prendre le tome 1. C'est 6. Ok. C'est du Far West, Western. Ouais. 6 de chez Dargo. D'accord. Oui. C'est, okay. Au scénario, c'est pas Philippe Pélez?
Je ne sais point. Je ne... Oui, bah si, c'est marqué. Mais qu'est-ce, voilà. qu'est-ce qui t'a attiré là-dessus? Le synopsis, en fait, c'est un groupe de un peu de bras cassés qui se réunit, qui va faire des trucs, tu vois, genre, mais façon western, quoi. J'aime bien l'idée. Tu vois. Bah, grave. Et puis les dessins ont l'air chouettes, donc voilà, je partage. Tiens, tu vois que c'est un concept de chauffer sur des trucs que t'as pas lu. Mais moi, c'est Fred qui l'a initié, ce truc-là. Fou, les gars, hein, en BD, western, Catamount, les gars, c'est génial, ça. Mais ça, tu nous en as parlé l'autre fois, ouais. Ouais. Ça, il faut que j'y aille aussi. Hein. Mais il y a tellement de trucs. Ça, c'est top. Hein. C'est plus une liste que t'as. C'est un beau texte, c'est une encyclopédie. J'ai du coup, toi, c'est quoi alors la neige en deuil? Ça a encore l'air bien gay tout ça. C'est gay, hein, ce soir. C'est pas gay. Non, mais... on est woke. Hein. Non, mais. Voilà. Et c'est vachement bien. C'est vrai? Ouais, j'ai passé un super moment. De Dominique Monferri, d'après le roman de Henri Troya. Et c'était très sympa. C'était très joli. Et très sympa. Voilà. Vous voulez que je vous refasse le pitch? Oh, bah écoute! Je l'ai lu il y a 2-3 mois, quoi. Ouais, peut-être même un peu plus. Ouais, 4-5, peut-être même. Je t'avoue et, que... On serait bien content de savoir de quoi ça parle quand même. Non, mais t'as les deux frangins là que tu vois là. Ouais. Le jeune et le plus vieux, donc qui habitent à la montagne. Le plus vieux, il était guide de haute montagne et puis il a eu un accident. Il est plus très frais, le vieux. Putain, et le jeune, cool. Par contre, il en a plein le cul de vivre à la montagne. Et lui, il se verrait bien en fait vendre la ferme des parents, récupérer sa part du pognon, foutre le frangin dans une maison de repos et aller vivre sa meilleure vie en ville. Et puis évidemment, il y a deux points de vue en fait qui s'affrontent sur ces entrefaites. Il y a un avion qui s'éclate en fait en montagne et on ne sait pas s'il y a des survivants ou pas. Il y a une première expédition qui part pour essayer d'aller les récupérer, mais malheureusement, cette expédition, ils vont tomber dans une avalanche ou un truc du genre, et puis ils vont tous mourir. Et le frangin plus jeune, il essaye de motiver le frangin un peu plus ancien pour lui dire tu sais quoi, viens, on va essayer d'aller trouver les survivants là-haut. Mais ils ont pas du tout le même projet, parce qu'il y en a un des deux qui va pour vraiment essayer d'aller faire une bonne action, et puis l'autre qui pense que dans ce vieux taco, il y a peut-être moyen en fait de récupérer des trésors, etc., etc. Et ça va être l'histoire un tout petit peu de leur ascension, de leur divergence de point de vue et de à quel point cette histoire va pas très bien finir. Voilà. Et c'est très beau, c'est très sympa. Et c'est pareil, hein, petit coup de blues à la fin, hein, quand même. Hein. Bah ouais, ça a pas l'air très, très joyeux, quoi. Est-ce que l'émission ce soir elle est sponsorisée par Suicide Magazine? Ah bah non, non par les lames de QT Abrico Marché, on va tous se trancher. C'est surtout qu'apparemment c'est un récit qui est vachement connu, quoi, parce que. Ouais, bah, je crois que c'est un auteur connu, quoi. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, là il y a max de versions du bouquin, il y a eu quand même un DVD avec Robert Wagner. Bon, vu la gueule du DVD, c'était même une cassette avant, je pense. Disque. C'est possible. C'était un Blu-ray, même. Non, super bien. C'est René Château Vidéo. Château Vidéo. Oh, vache, c'est vieux, quoi. Le château de ma mère, quoi. Ah, les châteaux vidéo, c'est surtout Belmondo. Hein. Et Bruce Lee. Putain, ouais. Tu te rends compte le coup qu'il a fait, le mec? Ah, René, il s'est mis bien. Ah ouais, ça, je crois que c'est clair. Mais, moi c'est plus la relation frère, quoi, qui m'intéresse vachement. Voilà, pas toujours été facile avec le mien, donc Ouh, bon là il a une solution, hein, l'autre, hein, la neige en deuil, hein. C'est dans le titre, ça peut très vite s'arranger. Je vous spoil pas, mais bon, tout le monde ne va pas de la montagne. Hein. À un moment donné, on va pas se mentir, ça lui effleure l'esprit, quoi. Non, mais j'avais vraiment bien aimé. C'était et pourquoi pas sur un malentendu, ça peut passer. Moi, c'est... Ah non, pardon. Et c'est en un tome. C'est un tome.
terminé. Après, de toute façon, voilà, en deuil. Voilà. Et, et cette image est magnifique. Ouais. Non, non, c'est très très la lumière est incroyable. Ok, d'après le roman d'Henri Troya, c'est marqué dessus. Voilà. Oui. Chez Rue de Sèvres, ok. Et B. Mais alors, okay. Attends, ah, tiens, c'est pas la même couverture. Mais c'est ce que j'avais dit. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est peut-être la section. Ouais, mais c'est parce que Rue de Sèvres, ils ont Rue de Sèvres et ils ont le label 619. Et Et bien, du coup, c'est pas les mêmes. Bah, c'est oui, pas chez le label 619. C'est chez Rue de Sèvres. Ouais. Et bien, Rue de Sèvres. Ah, alors, attends. Mais le label 619 fait partie de Rue de Sèvres. Oui, non, mais d'accord. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, non, mais ok. Mais ils ont pas sorti. Non, mais ça doit être le tirage de tête que tu montres. Ah non, c'est la couverture Cultura. Putain, c'est marqué dessus. C'est marqué là, bordel. Visite euro. On est là, on fait des hypothèses. Oui, je crois qu'ils ont 25%. Alors, on est par la boîte. Achète Cultura, c'est pas bien. Alors, si je peux me permettre de reprendre la main sur ce point, moi je vais vous parler d'un truc. C'est ça. Tu aurais dû regarder le chat avant quand même, parce que t'as vraiment chier de trucs. Hein. Oui, pardon. Et puis en plus, je crois que je me fais engueuler. Parce que j'ai vu Julien qui disait « Aimez-vous ce bastard !» Et c'est vrai, du coup, c'est ça, on est d'accord. Mmh. Ah, vous aurez peut-être une chronique. Voilà, ah non, arrêtez. C'est jamais. Hein Viens, on demande à SP, gros. Évidemment. Évidemment. Putain. Non, bien vrai. En toute objectivité, même si... Bah après, ça dépend. Hein. Je veux dire, ceux qui aiment Lady Mechanica. Voilà. Sans commentaire. Je tente quoi? Je tente pas même si le dessin est top. Moi, je ouais, tente mais... Si le est top. Ça, par contre, le western, là, Texas, Jack et Skies, Sykes, Tom me l'a vendu, me survendu. Sykes. C'est comme Free. Sykes. En western, je viens de lire Mauvaise Réputation, la véritable histoire d'Emmett Dalton. Très bon. Je l'avais commencé et j'avoue que les dessins, moi, m'avaient un peu refroidi. Ça fait penser qu'il faut que je prenne le putain le Lucky Luke là, les deux là, la mort de Lucky Luke et machin, je trouve pas. De bonhomme. Ah oh ouais, putain, j'ai toujours pas lu. Extraordinaire. Ah ouais, ouais, mais bon, aussi, c'est bon, on achète trop de trucs, c'est chiant, quoi. Fantastique. Non, vraiment. Tu me diras, il y a moins de comics à acheter en ce moment. Donc... Non, sans déconner, c'est. Moi j'ai adoré. Vous les avez lus, messieurs? Non. Oui, la mort de. Oui, moi j'ai lu, ouais. Et t'as bien aimé? Ouais. Je suis moins fan du deuxième. Ah ouais. Moi, je l'ai beaucoup aimé, mais le 1, le premier est plus ouais, fort. Il était vraiment bien. Mais ah non, j'ai adoré. Et je trouve que en plus, ce mec, j'avais vu, il a fait notamment, tu sais, sur Combini, il t'explique comment on dessine un Lucky Luke. Ouais, ouais, il y en a plein ouais, qui font. Ouais. Et vraiment, il a l'air vraiment très chouette. J'aimerais trop qu'il vienne à Amiens. Après, voilà. Là, cette année, on a Jordi Lafebvre, que je surkiffe, et j'ai hâte de voir ce gars et de discuter un petit peu avec lui. Et non, franchement, c'est vraiment topissime. Et ah, tu vas te régaler. Enfin, moi, j'ai un putain de souvenir de ça. Alors, en ce moment, je lis beaucoup plus de BD franco-belges que de comics. Je vais pas te mentir, j'ai une review à tourner en vidéo. Je dois avoir 7 BD et 2 comics quoi, qui se battent en duel. Ouais, non, mais moi, comics, qu'est-ce que j'ai commencé là? J'ai commencé ça récemment, qui est pas mal quand même, on va pas se mentir, je vous en parlerai un de ces quatre, mais... Alors moi j'ai le TPBBO, si quelqu'un le veut, je l'ai, il est en vente. Et ouais, sérieux, Julien, il vient à Amiens, Jordi Lafebvre. J'ai halluciné. De Fred. Il y a des auteurs qui viennent à Amiens. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai l'impression. Il change de nom. Les graphiques de Fred maintenant. J'ai pas vu. Et j'ai Graphix. Oh putain, gros, faut que tu fasses une nouvelle chaîne qui s'appelle J'ai Graphix. S'il te plaît.
c'est quoi, plaisir. C'est ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire en fait tous ceux qui ont des noms avec comics, tu vois, sur YouTube, et de prendre en fait des images de leur chaîne et de mettre ma gueule à chaque fois, tu vois. Et changer le nom, tu vois. C'est drôle. Un G Graphics, Graphics Play, enfin ouais, peut-être comme ça. Et en plus, là, avec moi, c'est facile, tu traces la tête et c'est bon. Non, non, juste j'insère ça, voilà. voilà. Il a fait beaucoup. C'est un projet, hein. Non, attends, tu peux, hein. Carrément. Me raser le crâne ? Oui. Non. Oh, bah, c'est pas comme si tu l'avais jamais fait, en plus. Non, tondu, très court. Ah, j'ai une photo de bannière avec toi, sans les connaître. Je suis tondu très court, en vrai, hein. J'ai encore des cheveux. Hein ? Ça, c'est les gens qui espèrent. Je suis dans le déni, mais bon, faut... Si les gens te parlent de kebab, c'est pas simplement pour... voilà, il y a un petit voyage culturel peut-être qui s'en fait. Après, on est à son 5e Burger King de la semaine. Il paraît qu'ils offrent des burgers. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça, ouais. Ouais, bah ils peuvent, hein, vu le prix. Quoi. Ouais, bon. C'est pas les donc... plus chers. Vas-y, je t'en prie. Non, bah c'est pour parler bouffe, donc c'est pas du Burger King, ça me dérange pas, au contraire, parlons-en. C'est apéro calvitie ce soir. Mais... Salut monsieur. Non, je trouvais que Burger King, c'était pas les plus les plus voleurs. Non. Bah, c'est-à-dire que moi je trouve que ça cale, contrairement à d'autres. Ah, c'est autre chose que les. C'est autre chose non, que McDo quand même. Franchement, ouais. C'est que McDo. T'as faim quand tu sors. Putain, je sors plus, quoi, c'est ça le problème. Et par contre, pour revenir à ça, non, je crois que le dernier truc que j'ai lu, c'est Aquaman. En comics et je me suis pas relancé dans un truc comics. Mais t'as 10 ans de retard aussi, donc. Ah ben non, mais de toute façon, j'aurais toujours du retard. Enfin, je veux dire, oui, bah tous. Hein. C'est clair et net, quoi. Non, mais il est bien, le problème de Geoff Johns. Et en fait, je ne le regrette même pas d'avoir ce retard. À l'époque où vous lisez tous des merdes, et ben, je ne sais pas quoi. Et alors, je prends un pied monstre, hein, vraiment. J'ai adoré ce truc, putain. J'ai surkiffé de fou. Le 280, le 280 est devenu un... Ah, mais c'est l'inflation, ça. Je te jure, mais moi, avec le Big Tasty, il ne faut pas m'énerver. Les nuggets, maintenant, au McDo, ils les vendent à la pièce. Voleur, Ronald, voleur. En tout, il s'en souvient, justement, à l'Appareil Fan Festival, je demande à un Big Tasty, non, il me dit, il n'y en a pas. Parce que tu sais, c'est un truc où il n'y a vraiment que les classiques, quoi. Et du coup, il y a Anto à côté de moi, et je dis, il se fout de ma gueule. Big Tasty, si, il se fout de ma gueule. Et c'est un truc de fou, quoi. Et pareil, le Big Tasty, avant, c'était un gros pain, donc un gros steak. Et du coup, là, ils sont venus, c'est devenu le pain du Big Mac. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais où on va, franchement ? Non, mais moi, j'ai halluciné. Je trouve ça dégueulasse. Bon, je vais finir par parler de ça, bordel. Donc, c'est édité chez nous. Ouais, on voit pas, en fait, depuis tout à l'heure. Bougez pas, je vais vous mettre tranquille ou bilou. Je vais vous mettre tranquille ou bilou. On voit le titre, allez. Ça s'appelle Murmure des sous-bois. C'est de Kango. On est plus un titre, on est sur un projet, là. De quoi ? Non, on fait nos... avec Fred, on a monté une contre-soirée. Là, je te le dis. Ça coûte 18 euros, c'est cher, Utsev. C'est un truc qui, normalement, ne m'attirerait pas du tout. Et où, franchement, je pensais que j'allais passer un moment vraiment pas top du tout. Et ça m'a détendu de dingue. J'ai vraiment passé un moment super agréable. En fait, je me suis rendu compte... cette semaine, j'ai lu une étude qui disait qu'en gros, à partir du moment où tu ouvres un bouquin, genre dans les 30 secondes, ton pic de stress descend et c'est juste incroyable, quoi. Et j'avais jamais entendu cette étude-là, en fait. Et apparemment, la lecture, en tout cas, la contemplation de bouquins fait s'effondrer ton pic de stress et c'est vraiment le moyen ultime contre ça, apparemment. Tu ouvres la route, tu pleures quand même, hein, parce que là, Ça dépend du bouquin, on va pas se mentir. Et en fait, c'est un bouquin qui est très dans la contemplation, justement, tout ce qui est asiatique, justement. Et en fait, c'est une petite fille qui va poursuivre son chien à travers une barrière cassée, quoi. Non, mais non.
et qui va arriver donc dans un sous-bois. Et elle va rencontrer un garçon de son âge et qui va comme ça l'initier à écouter en fait la nature et à... Non, mais non. À écouter en fait la nature et faire attention au monde qui t'entoure pour essayer d'en décrypter les trucs. Parallèlement à ça, elle vient de perdre sa grand-mère et avec sa mère, bah, elle fait un peu, enfin un peu beaucoup même, le deuil de sa grand-mère. Et franchement, et c'est vraiment très chouette, très, je sais pas comment dire, mais vraiment d'une coolitude absolument ahurissante. C'est pour le coup très sur la contemplation. Et franchement, les dessins sont ouf, ils sont très précis. Hein, encore une fois, détaille justement. Alors putain, par contre, il y a pas beaucoup de visuels. Détaille les sous-bois de belle manière. Et franchement, un truc qui vraiment au départ pourrait ne pas m'attirer et vite me gonfler, là j'étais happé par le truc et j'avais vraiment l'impression d'être embarqué dans ce sous-bois et ouais, vivre l'aventure avec eux. Alors encore une fois, j'aime beaucoup le fait que ils assument complètement, mais attends, je vais le mettre en grand quand même, l'idée, parce que sinon c'est très petit quand même. Non, mais qu'ils assument le côté contemplatif et que justement, au bout d'un moment, ils lâchent la rampe et tu vois, on les suit. Tu peux tout à fait, il y a quelques bulles, mais c'est très vite lu en revanche. Hein. Et je trouve par contre que faut le feuilleter parce que clairement, si tu le chopes en pensant que tu vas passer un moment trépidant et où il se passe plein de trucs, où tu as plein de lectures, ça reste 18 balles et bah, clairement, en une demi-heure, si tu prends pas attention et si tu prends pas plaisir à voir les cases de ce dessinateur, format italienne, entre parenthèses, pour le coup, si c'est pas ton trip, tu risques d'être déçu, très clairement, parce que tu vas vraiment avoir l'impression de pas en voir pour, de pas en avoir pour ton argent. Mais moi, cette balade à travers les bois, enfin, je veux dire, par contre, à vendre, c'est compliqué, quoi. Parce que dire, bah, en fait, c'est une... Voilà, c'est une petite aventure dans les sous-bois où tu vas faire attention à la nature. Je trouve que ça vend pas du rêve. Et pour autant, bah, j'ai passé voilà, une demi-heure très sympatoche à m'évader comme ça. Et je me souviens être rentré du boulot où j'étais vraiment en pétard. Et ça m'a fait redescendre, mais de dingue. Donc, je le conseillerais. On va pas se mentir, pas à tout le monde. Tu vois, je sens que le néophyte des graphiques, il n'en aurait rien à foutre. Rien à foutre de dingo. Mais un mec comme Old Geek, je suis persuadé que tu kifferais. Ouais, bah, effectivement, je verrai à ma médiathèque s'ils l'ont pas. Ouais. C'est plutôt catégorisé jeunesse ou c'est. Oh, je pense botanique, que jardinage. Je pense que en tout cas, moi, je le classerais dans jeunesse. Parce qu'en plus, il y a ce côté vraiment initiatique au fait, justement, de vivre le deuil aussi. Tu vois ? Avec le parallèle de sa grand-mère qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et du coup, finalement, faire confiance au monde qui t'entoure et bah ouais, assister comme ça à presque à une résurrection, quoi. Et forcément qu'il y a un parallèle avec la nature qu'elle suit et le fait de reprendre goût à la vie avec sa mère et abandonner un peu bah, la grand-mère qui comptait beaucoup pour elle, deux quoi. Mais ouais, c'est BD jeunesse, effectivement. Mais pour le coup, très contemplatif, et ça, je veux dire, soit t'accroches pas. Et pour le coup, moi, pas du tout. Hein. Au départ, jamais j'aurais pu dire que j'allais passer un bon moment avec ça. Et pour autant, c'était vraiment une lecture très agréable. C'est un truc qui te botte, toi, Fren, le contemplatif, ou t'es plus dans la bagarre, les pilotes de Formule 1, les avions, pour que ça chie avec des aliens, bordel. Je serais plus dans la deuxième catégorie. Hey, bah ouais, nique les tous, quoi. Mais ça, typiquement, je vais faire bien. Moi, rasé. On a tout mis du tout, bordel de merde. Allez, on va se partir sur un parking. Attends, je vais l'ouvrir un petit peu. Parce que là, je commence à faire de la buée. Non, mais voilà. Et je pense vraiment ouais, que. Ouais, un G, je pense pas que ce serait ton truc. Non, mais déjà, le format m'intéresse pas. J'en ai un livre de...
Ah, ah, moi, l'italienne, je peux pas encadrer ça. Rien. Allez, dégage-moi ça. Moi, les pâtes à la carbonara et les pizzas, faut pas déconner. De toute façon, moi, si c'est pas du souple et puis du 21-29-7, je prends pas. Mais ouais, je pense que Julien, ça pourrait être goûté. Ah, bah, je vais même donner. Je le donne au carnet aussi. Non, non, toi, je te demande même pas. Même pas. Non, ben non, ouais. Et voilà, je le sais. Next. En plus, t'as un traumatisme avec le dernier format à l'italienne que t'as eu. C'est quoi? Canon. On va pas revenir dessus maintenant parce que c'est du comics. C'est vrai. Ah, Canon. Non, mais par contre, j'aime bien le côté contemplatif, nature, tout ça. Tu vois, ça, j'adore, mais pas en BD. Nature peinture. Non, mais pour le coup, c'est une bonne partie de l'après-midi à jardiner, mais c'était très bien. Mais c'est... Je plantais des rats. C'est vrai, t'as jardiné? Ouais, ouais. J'ai replanté des fraisiers. J'ai préparé pour planter les tomates. Bri. Alors, il n'y a pas des jardiniers, là. Du coup, est-ce que tu vas encore sur des groupes où on partage sa passion du jardinage? Je te l'ai montré, le groupe sourcier. Et Facebook. Facebook, mec, ça a changé. Ce mec déniche des trucs. Assez incroyable. C'est Facebook qui me propose des groupes incroyables, un groupe de sourciers. Tu vois. Mais moi j'en ai un aussi, il faudrait que je te l'envoie. On n'y croit pas, c'est un autre problème. Ça, à la limite, tu vois, voilà, parce que je veux bien croire qu'il y a des mecs qui soient très très forts pour dénicher de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais le mec, quand même, sur un groupe de sourciers, il envoie une photo satellite en fait de son terrain en disant est-ce que quelqu'un peut me dire où il y a de l'eau. Alors, c'est compliqué quand même, quoi. Et il y a sa maison, en fait, sur le terrain. Et du coup, moi, j'ai fait un post en lui disant au robinet, quoi, de sa maison. En gros, hein, en gros. Faut que tu regardes, là, ça s'appelle un groupe où l'on prétend être bon avec Photoshop. Les mecs envoient des photos ou des nanas et envoient des photos de belles ou d'eux. Je suis inscrit dessus. Des pépites. Il faut vraiment Faut être en paix avec son ego pour mettre sa photo là-dessus, quoi. Parce que là, t'as une bande de clébards qui ont Photoshop et qui te ruinent la gueule. Ah ouais. Là, tu vois, t'as le mec qui dit « Je suis fan de Mila Kunis, est-ce que quelqu'un peut mettre une photo ?» Et je t'ai mis Keanu Reeves, tu vois. Puis il y a des trucs qui peuvent partir en cacahuète très facilement. Ah, mais à chaque fois, c'est sûr. Moi, tu vois, par exemple, un truc comme ça vaut vraiment mieux pas que j'y foute les pattes, hein. Parce que ça va partir très très loin, je pense. Et pour répondre à Julien, Sous les arbres, qui est aux éditions La Gouttière, c'est un peu plus, même si ça, enfin, c'est un peu plus cartoon. Là, on reste vraiment dans la poésie. Puis en plus, vraiment, il y a quelque chose d'asiatique, je trouve, dans la façon de faire, dans le contemplatif. De toute façon, c'est quelque chose qu'ils font très bien. Non, mais au cinéma notamment, le cinéma asiatique, c'est quand même hyper contemplatif. Et je trouve que ça se ressent, en fait. Et le fait que ce soit au format italien, bah, forcément, on joue aussi. Mais d'ailleurs, Sous les arbres, je crois que j'en avais lu qu'un. Il faudrait que j'aille dessus aussi. Fred, t'avais quelque chose d'autre? Ouais, mais tu vas râler. Bon, bah alors, j'ai. Allez, vas-y. Bon, j'ai terminé un autre album de Michel Vaillant. Ah, tu vas... Oh, putain, Julien, ouais, il adore ça, Michel Vaillant. Non, si, c'est ça qu'il aime, un truc avec les voitures. Pardon, excusez-moi, ouais. Je me suis emballé. En fait, il va nous faire tous les tomes de la collection. Non, je suis là. Vas-y, dis-nous, c'est quoi? Je suis là. C'est le numéro 8. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le 8. Ah, il conduit un Caterpillar. On croirait. Non, c'est une Formule 1, une Formule Renault. En fait, il s'appelle 13 jours cet album. Et Michel Vaillant, il est recontacté pour refaire la Formule 1. Sauf qu'il n'en a pas conduit depuis très très longtemps. Il a 75 ans. Voilà, passé. C'est Michel Fu Vaillant maintenant. Ah, comment il pique la chronique, c'est énorme. Ça aurait pu être pire pour le coup. Il aurait pu être recruté pour complètement autre chose. Ah, je veux pas y aller. C'est un tome sur le jardinage. Excuse-moi. Et du coup, en fait, il repart à zéro.
il repart à zéro et tu vois les 13 jours qui vont suivre le Grand Prix de France où il doit tout réapprendre, la technique des nouvelles voitures, l'entraînement physique, etc. Et je trouve que cet album, il est hyper bien foutu. Il y a plein de reproductions de pilotes qu'on connaît, notamment des directeurs d'écurie, des anciens de chez Renault. Et franchement, c'est un super album. Et il ne tire pas la gloire à la fin sur sa victoire ou quoi que ce soit, parce que je ne vais pas te spoiler, mais il y a quelque chose qui se passe. Je suis quand même de le faire. Non, justement, ce n'est pas lui qui gagne. Ah ben merci du coup. Et voilà. C'est un autre concept. Ah, vois, ce soir, à deux doigts, tu nous aurais révélé un truc. Hein. Vraiment. Non, c'est un super album. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Mais je ne te ferai pas tous les Michel Vaillant à chaque apéro BD. Mais là, tu m'as dit que je suis au deuxième. Et que j'ai fini hier soir. Moi, je les lis par procuration. Qu'est-ce que tu veux que je m'en plus? Tu me racontes chaque homme. Franchement, c'est impeccable. Non, mais moi, j'ai un peu l'impression, quand tu nous parles de cet album-là, que tu sais que c'est un peu l'épisode de remplissage qu'on avait dans les Batman ou les machins, où ils faisaient, ou Friends, où ils faisaient un épisode avec tous les bouts de trucs. Là, tu as l'impression que, t'as Maurice, qu'est-ce qu'on fait pour cet album? Je n'ai pas d'idée. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre que des flashbacks et à la fin, il fait une course. Ça te va? Ça te va. Allez, hop. Non, mais encore non, une mais fois, et je vais pas me répéter et me paraphraser sur les autres émissions, mais ouais, j'ai trop envie d'y aller, quoi. Alors, autant vraiment la première saison, pas du tout. Parce que déjà, trop d'albums. Ouais. 71. C'est-à-dire que ça fait quand même un petit bout, quoi. À mon avis, intégral. À mon avis, ça a vieilli sa mère. Et par contre, j'aime déjà pas la Formule 1 à la télé. Alors, 71 tomes de voiture. Ah non, mais par contre, vraiment, la deuxième saison, là, ça fait effectivement 2-3 fois que tu nous en parles à intervalles réguliers en nous disant que c'est super bien. Le message est passé. Voilà. Il y en a un ou deux sur ma tablette. Je ne voudrais pas... Ah, mais parce, voilà. Je veux dire, juste à côté de Redcoat. Pas le reste, mais en tout cas, juste à côté de Redcoat. Et non, vraiment, ça me chauffe de fou, ça. Parce que c'est pas un exercice facile, je trouve, que de réactualiser quelque chose qui est en plus un monument de la BD. C'est toujours très casse-gueule. Et en tout cas, comment tu l'avais vendu les autres fois, ça m'avait vraiment donné envie d'aller dessus. Alors que tu vois, on avait lu, ouais, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais Bruno Brasil, putain. Mais non, quoi. Mais non. La souffrance. Non, mais il y a quelqu'un qui est venu dans le chat, en commentaire, nous dire, eh, c'est parce que vous comprenez rien, tu vois, un truc dans le genre. Je dis, mais mec, je veux dire, quelqu'un qui arrive aujourd'hui doit aussi pouvoir reprendre la série sans avoir lu le reste, tu vois. T'as beau me dire que ce personnage-là, il était mieux dans l'autre série, je ne la lirai jamais, tu vois. Je m'en fous, en fait. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il soit bien maintenant. C'est pas le problème de la continuité, ça. Mais c'est fou, en fait. Et du coup... Faudrait que je regarde. Moi, j'en ai un, tome de Bruno Brasil, mais je ne sais pas du tout lequel c'est. Faudrait que je regarde. Ah, putain. Mais... Bruno Brasil, c'est pas le nom de l'homme de main qui se fait étrangler dans Le Parrain? C'est pas Bruno. Et c'est Brasil. Il y a Luca Brasil. Luca Brasil. Luca Brasil. Tout à fait, Luca Brasil. Putain, c'est, tu vois. Je l'ai dit comme si je participais à un quiz. Incroyable. Ah non. Il manquait plus que le bumper. Oh, apéro quiz. On est pas à l'abri qu'un jour ça démarre aussi. Ça. Tiens. Et non, mais en tout cas, ouais. Moi, je vais y aller. Toi, ça, t'as lu du Michel Vaillant? Pas du tout. Jamais, ça te dit? Jamais, jamais. J'ai eu une enfance heureuse. Non, mais ça te dirait de tenter ou même pas pour voir? Non, vraiment. Déjà, les courses de bagnole, je déteste ça. La Formule 1, ça me gave. Alors, en BD, c'est, voilà. Le seul truc que j'aime sur les bagnoles, mais que j'adore, c'était anciennement Villebrequin et puis maintenant Sylvain Lévy Live. Mais tu vois, typiquement, c'est ce que de critique, Julien, sur les collectionneurs de comics. Je sais que je viens de te faire mal à ton petit cœur, mais ça ne changera rien. D'accord. Non, mais par exemple, tu vois, moi, je pouvais pas, quand on m'a vendu Sons of Anarchy, je m'étais dit, oh, putain, un truc sur les motos, enfin, c'est bon, quoi. Et j'ai adoré la série, quoi. Je m'attendais à un truc qui, au forceps, te rend l'idée de la moto, c'est génial, c'est la vie. Et j'ai rien contre les motos et les motards. Hein.
pas du tout. Hein, je veux dire, mais je m'attendais vraiment à ce qu'on gonfle avec ça dans la série. Et pas du tout, quoi. On en a parlé avec Eddie. Parce que bah justement, on avait un peu le même ressenti au départ en se disant merde, et pas du tout quoi. Et non, les Sons of Anarchy, c'est génial. Alors que pour autant, tu pourrais dire ah ok, ça va être des motards. Pas du tout, c'était super, franchement. Rien à voir. Bah non, mais c'est clair. Et comme quoi, tu vois, les a priori à la con quoi. Enfin, franchement, et moi j'ai adoré cette série quoi. C'est un truc de... 71 tomes, Julien, 71. Des années 60, hein. Ouais, c'est des ça. Années... Ah, voilà. Mais on ne jugera pas. Avec des pompes à main, quoi. Non, non, arrêtez. Ils ont des roues en bois. Arrêtez. Un G, t'avais autre chose ? Ouais. Ouais. Toujours chez un petit éditeur du nom de Dupuy. Je te fais des appels de phare. Qu'est-ce qu'il appelle Wacan. Oh. C'est une enquête, tu connais, t'aimes pas ? Ah ben bah je l'ai alors vas-y, par contre je suis très curieux de savoir ce que tu vas dire. J'en ai parlé sur la chaîne. Dupuis nous l'avait envoyé. Et du coup, okay, vas-y, c'est une petite enquête policière, un peu thriller, qui se passe dans les années 1890, où on va tenter d'arrêter un tueur qui, en gros, tue et suspend des corps à la Tour Eiffel uniquement, hein, c'est ça. Et en fait, la nana policière va devoir faire équipe avec le petit jeune là qui est sur la cover. Alors c'est pas que comme ça, mais en tout cas ça commence comme ça effectivement. Exactement. Ça commence comme ça. Alors c'est très rythmé, c'est très dynamique tout le long. Il y a un petit côté donc thriller sans être dans le polar noir, etc. On est plutôt sur des dessins un peu cartoonesques, enfin beaucoup plus cartoonesques que la première BD que j'avais présentée, Les Exilés de Motion Nine. Il y a un petit côté, on parle un peu voilà, de la place de la femme dans la police, etc. Il y a un peu de fantastique aussi dans cette BD d'une certaine manière. Et malheureusement, je trouve que bah, ça va un peu trop vite, quoi. La fin arrive un peu trop vite, je trouve. Et facilement devinable. Voilà. C'est dommage. Mais sinon, j'ai passé un bon moment, en vrai, et c'était plutôt cool. Ça se lit assez bien, ça se lit assez facilement. On a de beaux dessins, vraiment. On a Les dessins. Ouais, les dessins sont chouettes. L'histoire est pas mauvaise en soi. C'est OK, tu vois, pour 15 euros et quelques, la BD, franchement, ça va, quoi. Il y a pire, quoi. Donc, en un tome, elle est complète, quoi. Vous ne l'aviez pas lu, vous, les gars ? Non. Non. J'ai bien aimé, moi. Et ben, en fait, effectivement, donc, on l'avait chroniqué sur l'apéro BD, et c'est moi qui m'en étais chargé. Et en fait, je disais que c'était pour moi un gâchis, en fait. Ah bon ? Ah ouais, parce que déjà, moi, j'avais trouvé ça très moyen. Et en fait, je trouvais que les dessins étaient plutôt chouettes. Je trouve qu'effectivement, l'enquête, ça part très vite. Ça va très vite, ouais. Et trop vite pour moi. Je trouve que la résolution, en plus, on ne va pas la révéler, mais franchement... Elle est prévisible, en fait. Ah, mais grave. Alors, moi, j'ai deviné la fin, et c'est un peu le truc qui m'a déçu. Mais dans l'ensemble, ça reste une BD OK, tu vois. Genre, franchement, mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que quand je dis que c'est un gâchis, c'est que je trouve que toutes les idées qui sont mises en place ne sont pas du tout déconnantes. Ça pourrait être vachement bien. Pour autant... en fait, c'est aussi vite mis en place que c'est désamorcé. Et du coup, je trouve que ça aurait mérité justement de tenir un petit peu sur la longueur. Ouais, mais tu vois, de rester sur... plus de tomes, je pense. Ouais. Ouais, tu vois, genre deux tomes, je ouais. pense vraiment que ça aurait été très chouette, quoi. Ouais, ça aurait rallongé le truc, c'était pas mal. Et c'est dommage parce qu'il y a un petit côté fantastique avec la magie, la croyance, etc. Et c'est pareil, ça va, c'est très vite désamorcé finalement. Mais complètement. Et ça fait beaucoup penser, enfin moi en tout cas, ça m'avait beaucoup fait penser à Vidocq, en fait, le film. Oui. Tu vois, avec ce côté un peu, ouais, magie, ésotérique, scientifique, ah ouais. Enfin, voilà. Qui est vite oublié aussi dans le film, d'ailleurs. Bah ouais, non mais... Moi, ce que je trouvais dommage aussi, c'est que y a une amorce de steampunk. Ouais. On essaie de mettre en place exactement. Cette atmosphère-là. Bah, déjà, quand... tu le ressens hein, sur le style, le design du personnage principal. Hein. Complètement. Mais du coup... En fait, je trouve que on te met en place ça, et c'est un peu l'image du reste. C'est-à-dire que
J'aurais adoré en voir beaucoup plus, avoir un univers steampunk. Tu sais pas trop. C'est un peu bizarre. Et je trouve aussi que quand tu es habitué à voir du steampunk, bah, c'est pas si fifou que ça. Et par contre, pareil, je disais aussi, je pense que le public, c'est pas du tout moi, en l'occurrence, même s'il y a des BD jeunesse qui marchent encore sur moi. Faut pas que tu lises ça, alors, hein, parce que ça, par contre, c'est véritable déception. Hein. Ah, ben ça, je veux bien ton avis aussi là-dessus. Attends, juste, je finis ça. Et j'avais conclu, en fait, la chronique à l'époque en disant, par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais le faire lire à ma fille, parce que, pour le coup, il y a vraiment cette introduction au steampunk, il y a cette introduction à l'enquête, il y a cette introduction au fait qu'effectivement, il y a un personnage féminin en plus qui est dans la police, enfin tu vois, à travailler avec des mecs, tout ça. Ouais, puis elle en parle bien en plus, elle dit que parce qu'elle est une femme, il a fallu que ce soit, enfin ça a été plus dur pour elle, etc., de se faire reconnaître, etc. Donc c'est des messages qui sont plutôt intéressants, je trouve, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, ça pour le coup, c'est clairement pas sur moi que ça peut marcher. Et notamment parce que bah ouais, je suis coutumier du fait du steampunk, tu vois. En fait, c'est ce que je disais avec les exilés de Moschenheim. En fait, c'est typiquement le genre de BD qui est pour nous autour de la table. Là, Wakan, c'est très sympa, et c'est plus du 15-16 ans finalement. Oui, non, mais complètement. C'est ça, en fait. C'est ça. Ouais, même moi, j'aurais vraiment dit même 12-13 ans. Non, c'est ça, 12-13. Ça, c'est 12-13. C'est quoi, comment t'appelles ça ? Sans dragon, et en fait, c'est l'histoire d'une princesse. Enfin, c'est l'histoire d'un roi qui va mourir, son fils va prendre la place sur le trône, la princesse va être accusée d'avoir empoisonné le roi, voilà. Et elle va partir avec une pierre qui est la pierre de dragon, donc on est clairement sur de l'heroic fantasy. Hein. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va réveiller un méchant dragon. Bon, bah déjà, les dessins, voilà, je sais pas quoi te dire, quoi. Alors déjà, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, comment la couve ne te vend pas du tout ça ? Non, ouais, non, pas du tout, pas du tout. Je me suis totalement laissé avoir. Alors, c'est marrant parce que tu as un dragon quand même qui apparaît et je trouve qu'il a plutôt de la gueule sur certaines pages, en vrai. Sur d'autres, beaucoup moins, mais effectivement, les dessins, voilà. Bon, et encore, les dessins, ça reste subjectif. Hein. Moi, j'adore The Department of Truth, tu vois. Donc, bien sûr. Non, mais ça peut correspondre effectivement. Tu vas rien dire, mais tu vois, il y a cette page-là que j'adore. Typiquement, celle-là est très belle, tu vois. Genre, attends, tac, tac, tac. Non, celle-là. Celle-là est très jolie, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, c'est cool. Bon, après, à côté, c'est un peu moins cool. Et surtout, bah, ça va très vite, en fait. Ça va très vite et j'ai un peu soufflé pendant la lecture. Quoi. J'aime bien le changement de ton entre les trois BD. La première qui était vraiment en mood. Le truc, c'est que là, la fin est hyper prévisible, tu t'attends à tout, et en plus, ça va très très vite, tout est très vite résolu, et tu te dis, bah, tout ça pour ça, quoi. Alors, pour autant, il y a le sang du dragon qui a l'air sympa. Mais c'est Bédu, quand même. Enfin, c'est pas n'importe qui, tu vois. Bah ouais. J'étais étonné, et en même temps, bah, c'était pas fou, quoi. Salut, Kit. Bédu, tu t'attends à quelqu'un d'autre, quoi. Genre, tu t'attends 18, à quelque chose d'autre en termes de qualité, quoi. Ok. C'est bon, en tout cas, du petit Spirou, Spirou, je sais plus. Moi, j'aurais dit petit Spirou. Je sais plus, ouais. Vous, les gars, du coup, non. Non. Moi j'ai rien vu, c'était trop. Bien vrai. Attends, je regarde du coup ce qu'il a fait. J'ai mis Google Image, mais. Bon, après, je te rassure, c'est quand même meilleur que les 10 derniers comics que j'ai lus, donc bon, d'une certaine manière. Ah ouais, la vache! Elle arrive quand cette vidéo? Parce qu'on veut la voir. Non, mais j'en parle au fur et à mesure, tu vois, mais. Pourtant, t'étais sur un bon trend hein, en début d'année. Ouais. Non, bah, y a toujours une petite déception ou deux, là. Non, dans l'ensemble, ça va, ouais. Ça va. J'ai pas encore lu Ultimate Invasion, donc. Aïe.
Non, là, dernier comics que j'ai lu, c'était quoi? C'est le truc là, qui était très bien, là, le dieu nordique là, chez Bliss. Là. Ah, ah, le Yoda. Yoda. Ah ouais, c'est ouais. Chouette. J'ai non, moi, je l'ai pas lu. C'est chouette. C'est très chouette. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas lu, il est introuvable. Et d'ailleurs, ouais, ça bon pourrait être. Ouais. Ah bon? Moi, je l'ai vu encore jeudi, là, ah en ouais rayon. Et d'ailleurs, petite info, il y aura peut-être un tome 2. Ah ouais? Bah écoute, même Bliss n'est pas sûr, parce qu'en fait, la fin est relativement. Bliss n'est sûr de rien. Ouais, c'est relativement ouvert, en fait, la fin est relativement ouverte. Et on pourrait penser ou non qu'il y a un tome 2 à tort ou à raison. Et a priori, je connais quelqu'un qui a une chaîne manga et qui était intéressé et qui a contacté le mec chez Bliss et qui a demandé, et du coup, il y aura un tome 2 ou pas. Et le mec l'a dit, en tout cas, c'est dans les tuyaux en VO. Ah. Voilà. Mais moi, j'ai bien aimé. D'ailleurs, ça, plus le format BD qu'un format comics maintenant. Hein, c'est ouais, Bliss graphique. C'est même plus grand qu'un format, comme un format BD, hein. C'est énorme. Ah oui, mais ça ressemble au grand format urbain en fait. Ouais, complètement. Le Gideon Falls et compagnie. Je peux pas dire. Je j'ai pas de. Je pourrais te les mettre à côté là si tu veux, je peux le faire. J'ai comme le Black Science. Je sais pas. Bon, attends, je vais le chercher. Fait chier. Là, <j'ai... rire> qui gueule tout seul. Fait chier. On s'en va. Il faut que je me lève, j'en ai pas le cul. Fait chier. Ah non, mais bon, je suis fatigué, moi. J'arrête de fumer et tout, je suis obligé de me donner à fond, là. Bah, c'est ça, c'est ça. Merde. Du coup, en plus, c'est vraiment la réaction typique du mec où ça fait moins d'un mois qu'il a arrêté de fumer. Fait chier. Ah oh, si, c'est à peu près ça. Ouais, on va pas se... Ouais. Ah, c'est déjà du beau bébé. Ouais, c'est joli. Hein. Non, les Gideon Falls, ils font envie quand même. Ah ouais, les Gideon Falls. Non, mais moi, et je te dis, j'ai le jour où il y a une version comme ça de Department of Truth, elle sera mienne, tu vois. C'est pour ça que j'attends. Attends. Un peu. Non, mais j'ai même envie de reprendre le tome 1 là, à 10 euros. Là, genre. Monte un peu, Fred. Ah. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Ouais, ouais non, ouais, c'est magnifique. Plus, l'œil de nain, c'est très chouette. Je trouve que. Oh, les dessins. Ah, les... ah Thomas Jurello, ouais, il envoie du dessins, bois. Les dessins, hein. Ça envoie du bois. Ouais. Ils sont à combien? Il est à combien? 26 euros, je crois. Ouais, 25. Ouais. 25 28, euros. Je crois. Ah non, en plus, c'est raisonnable. 25. Ça va, quoi. Le papier est de super bonne qualité, en plus. Ah, ouais. C'est plutôt raisonnable. 25 euros, et t'es vraiment sur un truc entre. La mythologie nordique et tout le folklore de la mythologie nordique, quoi. Tu vas voir les Valkyries, tu vas voir tout ça, c'est génial, quoi. Genre, hein. Et je suis, on te parle de Berserk, de Berserker. Non, vraiment, c'est génial, quoi. Vraiment, c'est très bonne lecture. Donc, j'en parle dans ma prochaine review parce que j'ai vraiment adoré, quoi. C'était cool. Hein. Mais ouais, moi, pour le coup, il faut que j'aille dessus. Puis effectivement, c'est plutôt cohérent, hein, le prix, enfin. Ah oui, bah oui. Parce que si je peux, je sais pas si on en a déjà parlé ici, je sais que j'en ai déjà parlé avec G, mais si on peut parler 2 minutes, pas plus, hein, mais 2 minutes du tome de Bloodshot à 75 euros. Bonsoir. Non, mais enfin, oui. Putain. Non, là, j'ai arrêté avec le coffret. Tokyo Arada, machin. Ouais, j'ai arrêté à ce moment-là. De quoi, avec quoi? Avec le coffret Tokyo Arada, La vie est morte de Tokyo Arada. Et... Oui, bah, le Harbinger. Trilogie Harbinger. Ouais, mais il y a eu à un moment donné je sais plus si c'était un financement participatif, c'est avec un coffret. Attention, coffret Tokyo Arada et cher le bout de carton. Hein. Cher. J'ai arrêté là. J'aimerais vraiment faire des recherches et trouver à quel moment il était encore à 49 euros. Je veux dire, pas si longtemps. Le principal argument de vente de Bliss Comics à l'époque, c'était de faire des omnibus, des omnibus à 50 balles, tu vois. Et là, putain, mais c'est là, moi, j'appelle pas ça de l'augmentation, je suis désolé, mais... Il est passé à combien? 75 euros. Le après, même... Alors, sous réserve, attention, sous réserve. Je ne sais pas s'il y a des trucs en plus ou quoi.
sous réserve. Mais. Tu poses vaseline avec ou. Si puis t'as beau, tu vois, enfin, je veux dire, il faut quand même bien jouer avec les angles, quoi, tu vois. Et à un moment donné, ça va tirer. Si on va pas se mentir. Non, mais c'est. Appliqué. Non, mais enfin. Tu vois, on peut critiquer d'autres. Et attention, j'imagine que bah, c'est comme tout le monde, machin, tu vois, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu dis ? Parle de Panini, là, tu fais non, mais, non, mais c'est compliqué pour tout le monde. Mais putain, passer de 50 alors, à 75. Ouais, ouais après, coups, après, en fait, le tome était sorti il y a un bout de temps, hein, la première édition à 50 balles. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, bah, ça ne se vend plus, en fait, Bliss. Quasiment plus. Hein. Il n'y a plus de sortie côté Valiant. C'est un peu au point mort. Donc. Tu veux que je te sorte un chiffre là impressionnant aussi chez Urban ? Deux. sur, tu sais, on dit tout le temps que c'est Batman qui fait vivre et vendre Urban. Ouais, ouais, ouais. Tu sais que sur les quatre dernières années d'Urban, Batman, ça représente 15% seulement des ventes et de la production. De Urban ? Ouais. En gros, Batman, c'est un tome et demi par mois. Si tu fais la moyenne sur chaque année par mois, c'est pas extraordinaire. Hein et Giger ? 0.00. Ça me paraît. Ouais, ça paraît très très peu quand même. Ouais, ouais. Parce que dans les tops de vente, quoi, il y avait quand même pas mal de. Je sais pas. Oui, chez Disney, je parle chez Urban France, moi. Urban ouais, bien sûr. Moi, ça, c'est un truc qui m'avait super étonné dans le top. Que dans chaque année, il y a les tops GFK qui sortent, quoi. Comme Xbox les sort, etc. Et je suis étonné du nombre de tomes qui sortent de Batman qu'il y a si peu. Mais. Je dis encore une fois sous réserve, mais il me semble que dans ce top-là, Sofiane l'avait analysé en live, enfin, avait fait analyser, je sais pas, mais en tout cas, débriefer le truc. Et du coup, tu étais peut-être là, Julien. Et c'était genre dans les 30 premiers, il n'y avait pas un Panini. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à moi, fait. Ça m'avait vraiment... étonné. Le premier Panini, il était autour du 20e. Ouais. Par contre, c'est un soft. Je rebondis sur ce que dit Néophyte des graphiques, mais Riddler, effectivement, tu ne comptes pas comme Batman. Il est con, il rigole. Tu ne comptes pas comme Batman. C'est vraiment le titre Batman par excellence. Donc, tout ce qui va être Batman New 52, c'est d'ailleurs de toute façon la meilleure vente, tome 1, tome 2. Et après, tu as Rebirth, Infinite, etc. Et après, tous les White Knight, tout ça, ça fonctionne. Mais, Ouais, bah, heureusement qu'il y a ça, quoi, aussi. Et non, oui, c'est fou, quoi. Ce que je dis, Julien, est vrai, c'est que si Batman fait 15 à 20% de chiffres à l'année, ce n'est pas prêt d'avoir du Aquaman, quoi, c'est sûr. Non, mais déjà pour Batman. Hein non, mais ouais, c'est bien, mais après, c'est pas non plus. C'est quoi le reste ? Je suis curieux, parce que tu vois, si Batman, c'est ça. J'ai regardé qu'autour de Batman, honnêtement. J'aimerais bien, moi, connaître la part d'indé aussi chez Urban, parce que vraiment, Urban, ils ont un catalogue d'indé maintenant qui est. Ça c'est, impressionnant. Ça, c'est leur force. Le Nice House on the Lake, je crois que c'était plus de 30 000 exemplaires qui ont été vendus. Ouais. Attention, moi, je te parle de Batman sur les 3-4 dernières années, Julien. Je te parle pas juste l'année dernière. Bah ouais. Ouais. Donc, ça fait une grosse moyenne quand même sur 3-4 années, tu vois. Mais, Attention, Julien. Va aller au coin. Et tu vois, ce dont on avait parlé, en ce qui concerne... The Boys. Et par rapport à Marvel. Mais si, par rapport à Marvel. Ah, Panini Marvel Pocket. Ouais. Et ben là, il y a. Ouais, mais non, mais en fait, on disait que ils n'avaient pas communiqué sur The Boys dans leur première salle. Zéro du tout. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est quand. Ouais, mais en même temps, quand tu te poses la question deux secondes, c'est quand même con d'appeler ça Marvel Pocket pour un titre qui n'est pas édité chez Marvel, en fait. Il est édité chez Panini. Je crois qu'il appelle Panini Pocket. Je crois qu'ils ont changé le nom de la collection. Ah bon ? Ouais, ça s'appelle comme ça sur les sites. Hein. Ah ok. Ouais, Julien a raison. Je crois que c'est Panini Pocket. Alors, dans ce cas-là, c'est cohérent. Mais du coup, je comprends pas pourquoi ils ne communiquent pas dessus. Et le tome 2, aucune communication dessus. C'est-à-dire que dans les vagues qui ont été annoncées là sur Twitter, tu ne vois pas le visuel The Boys tome 2. C'est un truc de... Ouais, après, ils mettent fin... C'est la stratégie du Big Two, mais t'as une stratégie de mettre en avant et Daredevil et Spider-Man pour Panini et Batman pour Urban. Et encore une fois, ce qui je pense, à mon sens, est dommage, parce qu'aujourd'hui, c'est des personnages qui n'ont plus besoin de mise en avant, en fait. Ouais, d'accord, mais là, rien du tout
Je trouve ça quand même super bizarre, quoi. Mais regarde la com qu'il y avait eu autour de Geiger. Rappelle-toi. C'était une image sur Twitter, et avant, il y avait eu une photo sur Instagram qui avait fuité. Tu vois, genre, je veux dire, la com, elle est inexistante autour de Geiger. Et regarde, je pense, que Néo pourra en parler. Salut Néo, mais Vicious Circle, je crois que oui. Ça, accueillons quand même comme il faut, monsieur Néophyte. Bonsoir à vous. Salut. Le vide, bien passé. Très bien. Très, très bien. Je passe en coup de vent parce que demain, il y a évidemment les qualifications de Suzuka très tôt. Donc. Alors, il m'éclate. Il n'a rien secoué de la semaine. La semaine, il te dit non, mais moi, demain, il n'y a pas de problème, je suis OP, machin. Et là, le samedi, il va dire oui, il y a les qualifs, je dois partir. Ouais. Non, je ne dois pas partir, c'est à 8 heures. Du coup, qu'est-ce qui est sorti à la roulette En fait, j'ai pris 4 titres. Ouais. Après, j'ai fait voter les gens parmi les 4 titres. Okay. Du coup, il y avait Strange Academy, Batman Imposter, Uzagi Yojimbo et je sais plus. Si, et Demon Wars de Pichu Momoko. Ok. Et les gens ont voté pour Strange Academy. Donc, écoute, je suis étonné du choix. Mais, Ah, ok. Bah, excuse-moi, Néo. Je rebondis sur le chat. Panini Poche, apparemment, du coup. Il faut une grosse poche. Hein. Ouais, c'est ce que je disais un jour sur un live, c'est exactement ça. C'est poche. Ils sont énormes. Et même celui-là, suivant où il passe, faut bien tourner aussi. Ouais. Je trouvais que Nomad, il y avait une vraie recherche sur le nom et tout, c'était cool, quoi. Ouais. Bah après, c'est en réaction aussi, hein, tu vois. Pour le coup. C'est clairement ça, oui. Comme mais le podcast, ouais, non. Comme tout ça. Je trouve ça, ouais. Non, mais j'aimerais bien vraiment. Vraiment connaître la position de Panini par rapport à ça et pourquoi ils n'ont pas communiqué sur The Boys. J'aimerais vraiment connaître la raison. Est-ce que c'est juste, et c'est pourquoi pas dans l'absolu, j'ai rien contre, mais est-ce que du coup ils ont voulu axer sur un public plus jeune et du coup partir sur Spider-Man plutôt que The Boys qui est plus pour adultes? En tout cas, au moins. C'est juste que leur com était autour de Marvel. Quoi. En tout cas, en rayon, il y avait autant de The Boys que du reste. Hein. Puis, en vrai, bon, Ultimate Spider-Man, ça va, je veux dire, ok, il y a encore plein de gens qui veulent le lire, je suis d'accord, mais serait bien de mettre autre chose qu'au catalogue, quoi. Ça a quand même pris un petit coup de vieux. Hein. Déjà, ça a pris un petit coup de vieux, certes. Alors moi, j'aime le lire, mais tu vois, après, moi aussi, j'aime les vieux trucs, moi, je suis comme ça. Mais effectivement, ça a pris un petit coup de vieux, c'est moins dans l'air du temps. Puis bon, bah surtout, je pense qu'ils ont plein d'autres titres à montrer aussi, tu vois, genre, pas tout de suite, mais peut-être d'ici 2-3 vagues, peut-être un 8 du Tom Dennis, ça pourrait être cool, tu vois. Mais carrément. Alors qu'ils mettent, je trouve que là-dessus, et encore une fois, c'est pas pour comparer, c'est mieux chez l'un, chez l'autre, on s'en fout, mais je veux dire, quand tu vois le catalogue indé qui est mis en avant chez Urban, et notamment via Urban Nomad, ils ont un vivier de malades. Ils ont pas le même catalogue indé. Mais carrément. C'est vrai. Ça, c'est encore une fois, c'est leur force à Urban. Franchement, ils ont profité pour pousser Vertigo, leur catalogue indé. Et en fait, du coup, t'as des moteurs qui sont devant, donc les Batman, les Superman, les Justice League, etc. Et derrière, ça attire vers ce format-là et vers les indés et tout. Et c'est hyper malin de les penser comme ça. Et en fait, quand Panini veut faire la même chose, bah, tu vois bien que c'est pas possible. Et c'est ça qui est dommage. Non, mais tu te retrouves à mettre deux tomes de Spider-Man, deux machins. Ouais, ben non, les gars. Après, par contre, moi, je suis d'avis que, quitte à mettre du Spider-Man, c'est le meilleur choix que d'avoir mis Ultimate Spider-Man. Actuellement disponible qu'en omnibus, souvent considéré comme la meilleure porte d'entrée, même si c'est dans un univers parallèle. Justement, car c'est dans un univers parallèle. Mais c'est vrai. Donc voilà, après, et en plus, en ce moment, ils éditent du coup la nouvelle vague Ultimate qui arrive, donc vraiment, meilleure idée pour eux. Alors moi, tout ce que je retiens, c'est que la première vague, ils ont mis Avengers versus X-Men. C'est un des seuls titres de tout ce que je lis depuis qu'on s'est mis avec la chaîne Julien Nico que j'ai pas terminé. Oui, mais ça fait vendre. Ils avaient mis Justice League versus Suicide Squad dans l'Urban été, tu vois, à l'époque. C'était nul en plus. J'ai trouvé ça, mais à chier, quoi. À chier. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, pourtant, à un moment, il y a du Quappel. » Je ne suis pas arrivé jusqu'à Quappel. Il y a du Quappel qui rend des super planches. Ouais. Alors ça, c'est le même argument que Jim Lee, quoi, tu vois. J'en ai parlé parce que j'ai pas arrêté de voir du Jim Lee partout là, dernièrement, tu vois. Puis, mais vous lui dites, votre Jim Lee qui fait des scénarios pas terribles à côté de ses beaux dessins, tu vois.
Bon, il fait pleurer la façon de Jimmy. Hein. Non, non, mais je veux dire, les dessins que Batman Silence, ouais, ouais, ils sont très beaux, mais bah, le scénario, il pue un peu la mort, quoi. Tu vois, genre... ouais, ça, ouais, bah, bon, ça c'est pas de sa faute. Hein. Mais non, mais oui, mais bon. La, la Force Phoenix, quoi. En deux tomes. J'aurais presque plus envie de lire la version de Yang, pour le coup. Ouais, non, mais... Tu sais, avec les bébés, ah, oui. Avengers, bébés X-Men. Bah ouais, ça peut être... Ouais, non, mais oui, c'est vrai. Ça peut être... Il peut y avoir un truc... Non, mais là... Oh, non, non. Puis alors, moi, je me souviens de dessins... J'ai rien contre Romita Junior. Mais alors, les dessins de Romita Junior, quand ils sont sur la plage, pour ceux qu'on arrive... Comment ça, t'as rien contre lui? Mais il faut avoir des choses contre cet homme. Non, moi, il y a, y a vraiment plein de trucs où je le trouve vraiment chouette et ça marche bien. Mais alors là... Mais écoute, non, vraiment, je le subis à chaque fois, quoi. Wolverine qui s'est pris une porte en pleine gueule. Je subis à chaque fois. C'est un peu chaud, quand même, de dire ça. C'est un peu dur. Alors que... Sans lui, il n'y a pas de Man with the Outfear. Alors que Gary Frank, ah, je suis désolé, mais là, on a un homme, quoi, qui sait dessiner, qui fait des belles choses et qui collabore avec des bons scénaristes, quoi. Moi, je me suis arrêté à Y Collabore. Vous connaissez Terminé. Super, c'est un super titre qui vient de sortir. C'est pas mal comme lui. Bah, celui-là, il devrait le sortir. Non, non, non. Ouais, mais si, en format BD. Ouais. Deluxe, bah, évidemment. En format omnibus. Me lance pas sur ce sujet. Me lance pas sur ce sujet. Je les dégaine très vite. Léna, elle a acheté le 2, là. Je l'ai vu. Ah, sur... Puis elle a vu du j'ai vu du poche aussi. Ça s'attaque à Spider-Man Ultimate. D'accord. Ah ouais? D'accord. Il y a le... C'est le 2 carré ou le 2 rond celui-là? Non, c'est le 2 rond pour l'instant. Alors, mais ça, mais qui ça? À chaque fois que j'en parle, vous allez me parler du 2 carré, ça y est? Vous non, voulez, à vous chaque fois, dites-moi bien. À chaque fois. Là aussi, c'est 2 carré ouais. Ouais, ils ont fait une criminelle. Ouais. Oh putain. Sur 2 tomes. L'autre, il s'est dit, putain. Ça va pas se voir, sans déconner. Sur 2 tomes. Après, j'ai géré rien, j'ai géré. C'est pas possible, quoi. Ouais, ouais, non. Mais de Dissender, ils ont tout sorti. C'est pas le cas de toutes les séries. Tu parles de Black Hammer. Ouais. Black Hammer, ça ressort dans la collecte avec 10 balles là, qui va de la semaine prochaine. Ah, mais ils peuvent ressortir tous les tomes hein, qu'ils veulent. Hein. Moi, c'est la non, suite mais... que je veux. Tu vois. Ouais, mais tu recrées de l'envie aussi. Est-ce qu'ils vont vraiment recréer de l'envie avec cette collection? Franchement. À 10 balles ? Bah ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont... Qui non, vont mais regarde, ça. Dans la collection à 10 balles, là, qui sort prochainement, t'as aussi le truc là sur les finances, là, qui est en 2 tomes, et le 3... Ouais, Black Monday Manor. Black Monday Manor, ouais. Et le 3 sortira jamais, je crois. Mmh. Ouais, mais moi, le 1, quoi, moi j'ai lu 2 tomes qui sont sortis, franchement, c'est quelque chose, quand même. Hein. Moi, c'était bien, ça. Je les ai revendus. Allez, hop. C'était bien, j'ai revendu quoi. C'était pas très chouette. Par contre, vous teniez pas particulièrement à parler de Franco-Menge. Moi, c'est j'ai encore lu. Moi, je sais pas où vous en êtes, donc je t'avoue que je débarque. J'ai le lien plus rapidement qu'hier, donc moi, à partir de là. Ah, il était venu avec 2 heures de retard aussi, c'est ça, il était déjà prêt. C'est dégueulasse ce que vous faites. Par contre, il faudra que tu me dises le loyer un jour pour ta chaîne, parce que je commence à bien la squatter. C'est vrai qu'en ce moment, ouais. Ouais, c'est vrai. Écoute, avec plaisir, évidemment. Toujours moyen de s'arranger. Alors, toi, finalement, tu savais pas ce que tu allais lire pour avoir quelque chose pour ce soir. Finalement, tu as 2 BD, Julien. Oui, c'est ce que je disais. J'ai la BD que j'ai photographiée il y a 3 mois, là. Que tu as photographiée. C'est un nouveau concept. C'est que des photos de couverture. Il faut deviner l'intérieur. Exactement. C'est un peu jeu, mais comme ça me permet aussi de faire mes posts Instagram, etc. Et du coup, là, je me suis un peu replongé dans... Et ça y est, j'en souviens. Je comprends rien. Ah voilà, merci. J'imagine le post Instagram, en fait, où il se trompe d'image entre 2 BD, quoi. Ce serait extraordinaire. J'en sors tellement peu sur Instagram que je ne peux pas me tromper, c'est pas possible. Je prends des photos, juste pour être sûr d'avoir compris. Ouais, en des fait, photos tu lis un tome... chez le libraire pour faire non, des non, posts non, Insta. Non. En fait, quand j'emprunte des livres à la médiathèque, ouais, il m'arrive de lire. Oui. il m'arrive justement de faire une photo de la couverture parce que je sais que je l'ai lu. Du coup, je me dis, potentiellement, je pourrais en parler dans un apéro ou autre. Et du coup, je me le note dans un petit coin de ma mémoire. D'accord. Et de manière à raviver les souvenirs, je fais une photo. Pas con. D'accord.
Moi, j'ai des notes à ne plus savoir qu'en foot sur mon téléphone, avec des listes de tout et de rien. Bah, hésite pas dans tes notes à mettre les horaires de tes lives. Putain, mais je vais en entendre parler, mais jusqu'à la fin des temps. Pardon, quoi. Pardon, dernière fois, dernière fois. Non, 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 mais c'est de bonne guerre, hein, franchement. J'en ai encore parlé avec ma femme, et tout à l'heure, elle m'a dit, tu vois, c'était pas la fin du monde. Tu vois, je peux retourner à la correction. Donc, tu me files le PC, et tu as dit non, j'ai un live ce soir. Ce matin, à 6h30, la correction. Dans le temps, à un moment, c'est une guerre que tu cherches avec ta femme. Non, mais non, non. Hier, il nous dit, non, mais en ce moment, je fais un peu trop de live. Tout à l'heure, il me dit, sinon, petit live ce soir. Et lui, il me répond, j'ai le Beans le vendredi. Arrête. Arrête. Ouais, vraiment, 3 semaines de suite où il me dit, ce vendredi, si t'as rien de prévu. Je dis, mais Jules. Donc, est-ce qu'on peut laisser quand même Julien, du coup, nous présenter son titre? Ouais, alors ça s'appelle Iron Mud. Alors, je vais le mettre dans le chat parce que. Oui, je veux bien. C'est pas terrible. Non, puis moi, pour le recopier, j'aime c'est autant. C'est le mec qui a créé Tesla, c'est ça? Qui a créé Tesla? Je ne sais pas. Elon Musk, Iron Mud, ouais. c'est le soir, c'est tard. Ouais. Son deuxième live. L'auteur n'est pas facile à prononcer. Je le mets aussi dans le live, dans le chat. Est-ce que tu as assez... Donc c'est publié, ouais. C'est sorti en 2020, c'est chez Casterman. L'auteur, ouh, c'est Amaury Bungen. C'est en noir et blanc là? C'est en noir et blanc, ouais. Ok. Je sens qu'il va nous sortir un truc de derrière les fagots. Oui. En fait, on va suivre les aventures d'un humain qui s'appelle Lupo. Et qui se balade dans une... On ne sait pas très bien au début où s'il se balade dans une ville. Où... Et on découvre au fur et à mesure que c'est un vaisseau spatial, mais un énorme vaisseau spatial. Très, très grand. Et il se balade au fur et à mesure dans cet endroit à la recherche de portes noires. Ça fait 40 ans qu'il marche dans ce vaisseau à la recherche de portes noires qui l'ont transporté ici, en fait. Et donc, au cours de son périple, il va rencontrer d'autres espèces, des extraterrestres pour nous, du coup, mais aussi des monstres qui sont, comment dire, tout entourés de noir, un peu tachetés, comme s'ils étaient, comment dire, un petit peu volatiles. Enfin, ils ont une espèce de ah, je ne sais pas si tu as des images, du coup. Ça c'est pas... Non, alors, tu vois, là, c'est avant transformation. Mais du coup, c'est comme s'il y avait une infection. C'est le truc que tu montrais sur la première image, je crois. Là, c'est avant transformation? Ouais. C'est un peu une sorte de nuage, quoi. Ouais, c'est ça qui les entoure. Ouais, ça a été sur une des illustrations. Attends, je vais essayer de retrouver. Et quand ils sont entourés de cette brume, je ne peux pas dire, je n'ai pas de meilleur terme, bah, ils sont très agressifs et ils ont tendance à tuer tout le monde. Donc, ils essayent d'avancer dans ce monde où il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça rejoint un peu la route, mais bon, il est tout seul. Et au fur et à mesure, bah, il poursuit sa mission pour trouver des portes noires. Il laisse des petits messages quand il trouve un poste radio à un de ses amis, sauf qu'il peut juste envoyer, il peut pas avoir de retour. Et donc, on va le suivre au fur et à mesure. C'est un titre qui est très spécial parce que au niveau des graphismes, effectivement, c'est noir et blanc. Ça s'inspire pas mal de choses. J'ai vu des inspirations de Nihei qui a fait Blame notamment, ou d'Otomo, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un style graphique très précis. Très dans la géométrie et franchement ça a été une petite je crois que ça fait un peu plus de 200 pages. Par contre il y a Iron Mud et le rite, c'est ça va ensemble ou pas du tout? Je n'ai pas lu le rite donc je pourrais pas te dire. Ok. Mais pour moi c'est un tome qui se suffit à lui-même, c'est un récit complet en un tome. En 71 tomes. Sans saison 2. Et ça coûte combien ça? Parce que attends. Ah pas, c'est 250 balles par contre. Voilà. Bon. C'est une bonne question, je ne sais pas. Attends, je regarde. Putain, mais c'est sorti. Ah, je pensais que c'était 2020, mais c'est 2021. C'est sorti, c'est assez récent. Et j'aime bien ce mélange entre franco-belge et manga, justement. Le côté. Tu parlais de Blame, alors que je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté, et ça me faisait penser à ça. Hop, c'est Apéro BD ici. Hein. Ouais. Ah, Apéro Manga, on verra. C'est Fusion, Apéro Fusion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, il ne veut pas. Il ne veut pas le trouver. Je ne sais pas ce qu'elle a, ma souris, ce soir, et... ça ne va pas du tout.
Mais ouais, et tu connaissais toi, Néo? Pas du tout. Toi qui es un non, petit non, peu manga. Non, non, bah, pas le moins du monde. Mais moi, ça me chauffe. Hein. Alors, c'est un format qui... Bah, du coup, on parlait tout à l'heure des pockets. C'est un peu ce même format. C'est pas un mais format ouais. Franco-belge souple. Classique, du coup. Souple, tout à fait. Ça vient vraiment séduire les lecteurs de manga, quoi. 25 balles. Ah, non, finalement. Voilà. Il y a certains mangas qui sont à ce prix-là. Hein. Tu vois Lone Wolf and Cub qui est à 30 et quelques euros. Ah, je pensais à Evol, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Moi, je connais un connard. Ça fait trois fois qu'il essaie de me vendre Evol. Bon. Bah, c'est bien pour ça que je me permets de dire que les lecteurs de mangas trouvent ça trop cher. Parce qu'Evol, ça a beau être excellent, ils ne l'achètent pas. Donc. Pour le coup, c'est vraiment cher quand même. C'est vrai, ah oui, je dis pas le contraire. Mm. Mais ça, ouais. Et le rythme, là, c'est pareil. 296 pages. 25 balles. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup. Graphiquement, je trouve ça très chouette. Mm. Bah après, j'ai un peu peur qu'on n'ait pas les réponses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des réponses qui sont apportées. Merci pour cette information. Et attends, je vais regarder. On rajoute sur la liste, Jules. Non, bah, non, mais moi, j'ai. Enfin. C'est n'importe quoi. Ouais. Mais trouve-le, ouais. Essaie de le trouver, trouver d'occasion ou en médiathèque. Le problème, c'est que. Le truc que j'avais chroniqué, dont je me souviens plus, avec les lunettes, là, tu l'avais trouvé à 5 balles, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, mais c'était sur un site machin. Le problème. Non, mais le problème. Waouh! Attends. 437 pages? 22 euros? C'est donné à ce prix-là. Ajoute dans le panier. Non, mais pour le coup, c'est pas chien. Non, mais le problème, moi, c'est que ouais, je suis à les 30 bornes de la médiathèque. Sinon, j'irai tout le temps. Ah, ouais. Enfin, moi, je suis aussi le genre de connard qui va à la médiathèque, les emprunte, revient à la maison, et les lit, trouve ça trop bien et les rachète. Donc, complètement con. Ah, c'est un concept aussi, comme ça. Hein. Moi, je peux pas me plaindre de la distance, elle est vraiment à 50 mètres, la médiathèque. Ah, putain. Je me souviens encore avoir convaincu ma femme et lui dire, écoute, franchement, je ferai des économies à prendre une carte. Fais mes corrections. Ah non, c'est autre chose. T'as dit quoi? Fais mes corrections. mais du coup, non, mais lui dire, écoute, non, mais je gagnerai du pognon à prendre une carte à la médiathèque. Oui, ok, c'est à 35 bornes, mais voilà. J'avoue que on avait vu sa tronche. En fait, tu perds du pognon parce que tu perds l'essence, quoi. Bah ouais. Ouais, mais enfin bon. Normalement, c'est censé être des BD que j'achète pas. Oui, oui, normalement, oui. Mais là, en l'occurrence. C'est essence, médiathèque, achat. Là, c'est... Moi, j'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à acheter un truc que j'ai déjà lu. Là, par exemple, je dois racheter Layla Star, du coup, dans l'édition que je collectionne maintenant. J'arrive pas. Alors que j'adore ce mais du coup, tu relis ce que t'as déjà acheté ou pas? Non, mais attendez. Non, on peut s'arrêter deux secondes sur ce qu'il vient de dire. Quoi? T'as acheté l'Urban Limited? Je t'ai dit que je l'avais renvoyé, du coup. Ah, tu l'as? Ah non, je savais pas. Bah si, je te l'ai dit en plus. Oui, enfin, tu m'avais dit aussi que t'avais pas vu le film hier. Et puis bon, voilà, il y a des trucs qui se passent. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs et voilà. Non, mais ok. Non, non, mais je l'ai revendu parce que... En fait, tu l'avais pas vu le film hier? Non, je me suis rendu compte que ouais, j'oserais jamais le rouvrir, en fait, dans sa version limited. C'est-à-dire, c'est pas fait pour être lu. Entre guillemets, l'Urban Limited. Et en fait, c'est une œuvre que j'ai envie de relire encore et encore. Autant l'avoir dans du coup ce format génial qu'est l'Urban Grand Format, si jamais vous ne connaissez pas. Un format exceptionnel. Salut, monsieur Guardian. Ben ouais. Non, mais je comprends. Est-ce que je vais revendre mes longs à l'eau? Pas du tout. Alors, pas du tout. Je vais faire signer par Jeff Lobb, sous la contrainte s'il faut. Mais il va me les signer, Pépère. Et je vais revenir avec. Moi, tu vas les apporter pour les faire signer? Bah ouais. Je suis dans un débat interne. Mais c'est là, un petit peu. Mais je comprends. Nico tout seul. J'aime pas. Alors, quitte à squatter, je suis là plus que lui, donc je récupère le nom. Oh la vache! Oh la vache! Faut que je flippe ça! Et pour le coup, non mais ouais, non mais c'est un gros débat, mais je me dis que. Bah, c'est un gros débat. Je me pose pas dans mon fauteuil et me dire bon alors tu fais quoi. Mais non, mais c'est vrai que amener les Urban Limited de Shredek de les péter, on n'est pas d'accord. mais ce serait tellement con de passer à côté, quoi. Et t'as acheté les trois tous les ans? Non, mais t'es fou.
Non, mais tu connais pas l'histoire. Je sais pas combien de fois. Ah, oh bah, installe-toi, il va te la raconter. Non, mais elle dure pas longtemps. Je déteste ce format. Bolton Club. C'est de la merde, ça... enfin, c'est trop cher. Allez. C'est trop cher. Il y a 5 patchs, tu sais. Et un derrière le crâne. Non, mais je déteste ce truc. En plus, ça amène la spéculation. C'est nawak, quoi. Enfin, franchement, c'est tout ce que je n'aime pas. Bah oui. Moi, je trouve ça bon, en vrai. Hein, genre, ouais, mais en vrai, quand ils ont annoncé un long Halloween, j'ai dit prenez mon argent. C'était le seul titre qui pouvait sortir pour. Et voilà. Moi, ça sera Mister Miracle maintenant, la prochaine étape. Hein. C'est la seule, c'est le seul. Et pour le coup, alors, mais. Et je suis dit à ma femme, et je ne regrette rien. Parce qu'elle disait, ouais, mais tu ne te rends pas compte du prix. Oui, et je ne regrette rien. Mais du coup, Jeff Lobb, moi, j'ai envie de lui faire signer Spider-Man bleu, mais je l'ai dans l'édition de merde de machin, ça me ferait chier. Et il n'y a pas de vraie belle édition pour Spider-Man bleu. Je vous ai pas raconté l'anecdote. Du coup, je suis à deux doigts de prendre le Daredevil jaune qui sort là. Ah, c'est l'édition à 40 balles là. Ouais. Moi, je vais prendre l'issue numéro 1 de Spider-Man bleu, signé par Tim Sale, que j'ai. Ouais, oui, et bam, ça par contre, je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais de fou. Si et tu perds ton sac quand on est en train de se parler, c'est pas moi. Je peux te garantir que celui qui touche à mon sac au Paris Fun Fest, il est pas né, quoi, tu vois, vraiment. Ah ouais, alors, non, là, ouais. C'est... alors là, je me suis chié déjà. Ah non. La menace. Non, je suis quelqu'un de très gentil, mais c'est vrai qu'à un moment donné. J'ai senti dans les yeux d'Ingé une forme de défi, tu vois, un Everest à gravir. Hein. Ouais, moi, je vais le toucher, son sac. Non, mais non, blague à part, mais évidemment que je vais faire signer ça, quoi. Évidemment que ce serait trop con de passer à la queue, là. Pardon ? Tu vas faire la queue, donc. Je vais faire la queue pour Jeff Lobb, je pense. Okay. Je sais pas à quel point il y aura la queue dans un festival de pop culture comme ça. Moi, je l'ai fait une fois au FIBD, j'ai attendu 40 minutes au bout de 40 minutes. Oui, mais FIBD, c'est-à-dire que tu as déjà des gens qui viennent pour ça. Là, le PFF, je ne suis pas sûr que des lecteurs, il y en a tant que ça, finalement. Ouais, sur mais pourcentage. Si... qui a l'air de venir. L'année dernière, il n'y avait personne avec Garth Ennis. On est passé direct. Et ils ont fait un système de tirage ou pas l'année dernière ou pas comme au FIBD? Non. Ah, bah, c'est bien. Okay. Non, moi, tous les autres, vraiment... je veux dire, moi, on en a déjà discuté aussi, mais moi, le but, c'est vraiment de voir des copains, et voilà. Ouais, ça m'est déjà arrivé de faire la file pour faire signer des trucs. C'est plus mon kiff comme ça l'a été pour le coup. Mais par contre, Jeff Lobb, mais évidemment, quoi. Il n'y a pas question que je fasse pas que je reparte sans avoir signé le truc. Quoi. En vrai, j'ai même pas envie de le faire pour Jeff Lobb, moi, c'est de dire. Ouais, non, aussi. Moi, tout le reste, ça serait King, Brubaker et Remender, je pense. Les trois qui pourraient me faire. Ça va, déjà, on est sur quelques belles heures de queue, là. C'est pareil, ouais. Moi, vraiment, des vraiment, belles queues, ouais. Ça fera bon titre de film, ça. Titre. Non, mais si j'ai un regret, c'est de pas avoir rencontré Tim Sale, j'aurais... Mais moi, ça me fout en l'air, quoi. Je te jure, quand on a appris sa mort, la première chose que je me suis dit, enfin, tout de suite après, merde, c'est vraiment con pour lui. Je suis surtout le mec, il pense qu'à sa gueule. Non, mais je me suis vraiment dit, putain, je suis dégoûté, quoi. Vraiment. C'est horrible de dire ça, je suis désolé, mais ce serait malhonnête que de dire le contraire. C'est pas merde, c'est vraiment merde, je pourrais jamais le rencontrer, je pourrais jamais. C'est la pince de ce type-là que je trouve fou, quoi. Enfin, bref. Voilà. Une belle ambiance. Mais Paris Fan Fest. On a parlé de la route. Oula, ouais. Enfin, j'en ai encore les fesses qui font bravo. Ah bah c'est déjà prévu que je l'achète parce que je l'ai fait acheter à G et moi-même je l'ai pas pris. L'hypocrisie de la chose déjà. En même temps, quand on va à des BDH, à chaque fois tu me fais juste tiens, regarde et d'accord. Ouais, ça. C'est vrai que j'ai pas besoin d'insister. Je t'ai fait commencer Invincible et la route. Ça va. Il a acheté Power Rangers. C'est quoi que t'avais acheté en loose là que G il avait pas vu? Spider-Man en manga. Ah, Spider-Man en manga. PFF, tu vois, il y a quand même Stéphane Sejic. Ouais. Ouais. Comment ça, ouais. Et il dédicace Stéphane Sejic.
Bah, il va pas faire des claquettes, hein. Ouais, a priori, ouais. Non, parce que vu qu'il fait tout sur tablette graphique, savoir s'il pouvait éventuellement signer la Son Arline, je le ferais bien dédicacer quand même. Il fait des dédicaces dans le cloud, quoi. Après, tu le récupères, c'est facile. Un NFT. Tu te l'imprimes. Mais pareil, tu vois, je suis dégoûté parce que c'était à la Paris Manga où il y avait Malib. Une clé USB. J'adore ce que vous faites. Tenez. Oui, mais Malib, c'est pareil. Oui, il est... oui, c'est culte, mais pff, je vais faire la queue pour Malib, j'avoue. Non, mais non, mais ça m'aurait kiffé de le rencontrer, quoi. Il y a Marini quand même, hein. Par contre. Oui, j'aimerais bien parler de son Batman. là, moi, je dis plus rien et j'attends. T'as pas aimé? Ou lui, hein, ou lui jeter dans la gueule. Ouais. Non, non plus, pour lui jeter dans la gueule, mais non, j'ai pas aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Ah, tu vois, mais... moi, j'ai un comique. Il doit même pas se rappeler qu'il a fait ça, Marini. Putain, chaque invité. Ah ouais, quoi? Non mais Gardian, on sait très bien comment ça va finir, tu vas en faire un signe. Chaque invité, Iban Coelho aussi. Il y a Iban Coelho aussi. Il y en a beaucoup des invités quand même. Rafa Sandoval. Un petit grain de lanterne de Rafa Sandoval. Moi je vais juste faire signer à tous les youtubeurs, moi. Et pour le coup, tablette graphique aussi, tu vois. Mais j'aime beaucoup. Sur le bras, tu te fais après. Moi je vais amener un mug et je vais faire signer par tous les youtubeurs que je croise. Sinon, on pouvait te signer ça sur le bras. Un saladier, parce qu'à priori, il va y avoir du monde. Et puis, je veux pas dénoncer, mais il y en a qui prennent plus de place que d'autres. Ah ouais. Non, mais non, ça va être vraiment très cool. J'ai hâte. Mais ouais, non. Je ferai pas la queue comme j'ai pu la faire. Franchement, je me souviens d'une année où on y allait avec Nico. Clairement, on a fait la file d'attente toute la journée, quoi. Enfin... Ouais, non, c'est pas possible. Je vais pour une journée, c'est pas pour. Après, quoi. Et déjà, pour Jeff Lop, tu vas passer du temps, il y aura du monde. Hein. C'est pour ça que je te dis, je pense même pas que je vais y aller. Oh putain, fais pas chier. Ça sert à quoi une dédicace? Enfin, vraiment, moi, j'ai pas d'attrait pour ça. Non, pour Jeff Lop, pardon. Excuse-moi. Je croyais que tu parlais du Paris Fan Fest. Ah oui, non, si, bien sûr. Mais pour le coup, ouais, je me souviens, moi, c'était Arthur. Neil Adams. Le mec était tout seul. Putain, Michette. Tout seul. Et après, j'ai eu Pitch Momoko toute seule au FCBD. Moi, donc. Et puis alors, quand j'entends Tom me raconter le FCBD, bah, j'ai pas forcément envie d'y aller. Ah si, c'était bien. Ouais, mais tous les trucs à ticket, à machin, à bidule... Ah oui, faut pas y aller pour ça. Oui, par contre, faut que tu payes pour avoir ta signature, machin. Ouais. Ah oui, non, mais bien sûr. Oui, j'avoue que ça dépend pourquoi tu y vas. Ouais. Franchement, dégueu. Ça, moi, je trouve vraiment que c'est le côté mercantile du truc. Alors, je me fais aucune illusion, évidemment que c'est comme ça aussi en comics, mais enfin, pas pour ce genre de truc, quoi. Fin... Là, c'est un truc de malade. Mais c'est comme je vous disais hier ou avant-hier, je sais plus. Le salon du livre où j'étais allé avec ma soeur, et franchement, mais j'avais halluciné. Tu faisais faire des dédicaces toute la journée, pas trop de queue, vraiment très raisonnablement. Ça se passait bien, c'était cool, machin. Là, il y a 80% des trucs qui sont faits avec des tickets, quoi. Je vais pas aller passer ma journée là-bas si c'est pour rentrer sans rien. Ouais, après, je pense qu'en termes d'organisation, ça va être aussi compliqué. Ah non, mais je... Parce que quand tu vois la place déjà pour circuler, si tu prends un stand où tu mets un nom... Tu vois... Tu sais, à Amiens, Charlie Adler et Philips, quand ils ont commencé à voir le bordel que c'était, ils ont mis en place des tickets. Et pour le coup, alors, les deux sont très rapides, sont très productifs et arrivent à se rendre un truc très cool. Enfin, moi, la mission que j'ai. Mais, c'était... Et encore, c'est des mecs qui dessinent quand même assez vite et qui arrivent à te faire des trucs. Mais c'est non-stop, quoi. Toute la journée, hein. Franchement. Ouais, je l'ai plein, des fois. Hein. On a vu des mecs du 619 qui met le cerveau en vrac, quoi. Ah bah, c'est clair. Hein.
Ouais, le mec le disait, c'était même pas drôle parce qu'en fait, lui, ce qu'il kiffe, c'est parler avec les lecteurs et finalement, c'était juste de la signature comme ça, la va-vite, avec du bruit, ils s'entendaient même pas. Ouais, parce et que là, coup, là où ils étaient, en plus, ouais, il y avait vraiment une scène et tout. Énorme derrière. Ah ouais, putain. Donc, du coup, il disait, c'est pas cool parce qu'en fait, on n'arrive pas à parler avec les gens et du coup, le mec était éclaté. Bah, tu le vois sur l'interview hein, que le mec qu'il est fatigué, hein, genre, il en peut plus. Hein. Mais pareil, tu vois, j'étais dégoûté parce qu'il y avait Neyef et je voulais prendre Okae et il n'y avait plus de bouquins en fait. Ah ouais? J'étais dégoûté. Ouais. J'ai mal à mes X-Men avec Piche. Bah, moi, j'ai pas envie en fait. J'ai rien contre. Ah putain, la vache. Non, elle est belle, là. Oh. En plus, il a profité de sa notoriété pour le faire signer. Lui. Non, même pas. Il est arrivé, il a dit je suis Comics Guardian et hop c'est passé tout. Non, il y avait personne et j'avais pris les trois pour faire signer en fait. On était sur leur stand, il y avait personne et puis bon j'en ai fait qu'un parce que l'autre il était éclaté aussi à côté. Il y a des gens qui nous disent que de plus en plus sont payés pour leur dédicace. Mais tu vois par exemple moi Quapel ça m'avait saoulé mais de fou. Alors quelque part je comprends. Et franchement, c'était souvent. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les signatures, ils prenaient des commissions. Mmh. Et alors là, du coup, évidemment, hein, il y a des mecs qui sont prêts à payer je sais pas combien. Voilà. Et du coup, mais ça, c'est pas que ça prenait un retard, c'était juste dingo, quoi. Franchement, c'était incroyable. Ouais, je me rends compte que j'ai pas cette envie d'avoir des trucs dédicacés. Même Tom King, tu vas parler avec la personne de fou, mais faire dédicacer, si j'ai l'occasion, je le ferai, tu vois, juste pour le truc, mais... Vraiment aucun. Bah, qu'une signature. Ça, bon. Mais ouais, enfin, je te dis plus maintenant. Pour le coup, je me souviens avoir fait la queue pour. Alors, c'était aussi pour effectivement. Je me souviens avoir discuté un petit peu et puis. Alors, après une photo, bon, c'était sympa. Avec Jim Starlin. Mais outre ça, aujourd'hui, je pense pas que je referai la queue. Moi, je peux comprendre si t'as genre un print ou une cover de la personne. Ouais. Et que, du coup, c'est vraiment. Ça te fait un élément de déco. Mais si c'est un bouquin que derrière tu ranges dans ta bibliothèque, ça dépend de la si c'est en fait de la chasse à la signature. Oui non, c'est clair. Mais moi j'avoue que c'est pas mon délire, tu vois. Mais si t'as l'opportunité, ne serait-ce même qu'avoir une signature de ton dessinateur préféré, avoir tu l'opportunité, tu vois, en 15 ou même 20 secondes de lui dire bah, j'adore ce que vous avez fait, enfin, je suis votre travail depuis tant d'années et tout. Ah, mais moi, c'est ça. En fait, tu te fais plaisir, tu vois. En fait, rencontrer la personne, mais avec un immense plaisir. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, Getz, quand on a pu discuter avec lui de fou, trop bien, mais à aucun moment je me serais dit bon, je vais faire dédicacer. Parce que... Et moi, pourquoi tu vois. Je suis dans le chat en même temps ici, moi. Pourquoi ? C'est bizarre. Ça. Par contre, moi, le rien que pour le comment la rencontre avec Sean Murphy, putain, mais c'était tellement drôle, quoi. Mais on s'était vraiment éclaté. En plus, tu vois, c'était chez Bulle et chez Bulle en stock à Amiens, et du coup, bah, c'était cool, quoi. On connaissait. Enfin, c'était vraiment chouette, quoi. Genre, tu vois, c'était bah, file-moi un truc, je l'avais pas encore payé, on l'a fait signer. Enfin, c'était vraiment cool. En plus, je me souviens lui avoir demandé de signer, en fait. Ça, c'est pareil, tu vois. Le mec, je lui dis, bah voilà, en fait, on a une petite chaîne YouTube, et on voudrait faire gagner ces deux Batman White Knight. Il faisait pas de dessin. Est-ce que ça vous dérangerait de me dédicacer cela, puis juste marquer bravo, quoi. Pour dire aux gens, bah voilà, bravo d'avoir gagné, quoi, le concours qu'on faisait faire. Et il nous a fait deux Batman, tu vois. Il n'est pas du tout obligé, c'était super cool. Et après, il y a un moment donné où, en gros, il y a Nico. En fait, on était à trois, mais on aurait dit, mais des blaireaux, mais de chez blaireaux. Et je dis à Nico, bah vas-y, on va le mettre entre nous deux, en fait. Sauf que Nico n'a rien compris, et du coup, fait le tour. Et en fait. Mais ouais, déjà, tu parles mieux de moi, s'il te plaît. Mais non, mais. C'est fou, du coup. Ça. Ils ont échangé leur place en fait pour revenir au même point de départ. J'ai dit, mais c'est pas possible quoi, arrêtez vos conneries. C'est moi du coup qui ai mis Sean entre nous deux quoi. Et le moment était surréaliste quoi, dans la boutique, c'était surréaliste. Mais ça reste un super moment, tu vois. Pour le coup, j'ai pas de regret.
Et Bendis, j'avais fait la queue. Et on me dépeignait un mec exécrable. Il a été d'une gentillesse. Ouais, Bendis, c'est sympa, mec. Ouais. Évidemment que les gens sont gentils avec toi. Non, non, mais le mec, j'ai halluciné. Quand il est assis, c'est un gros connard, il se lève. Bonjour. Bonjour, en fait, j'ai dit bonjour. Bonjour, bonjour, non, bonjour. Mais il y avait une nana qui était à côté et en fait, qui était là pour réguler. Et en fait, plus je faisais la queue et plus elle disait plus de photos. On passe de 5 à 4 comics. Plus qu'un comics. Putain, et moi, j'étais dégoûté, quoi. T'avais des mecs qui arrivaient avec des valises, hein. C'était un truc de fou, hein. Et j'avais ma sœur derrière qui, du coup, avait aussi des bouquins à faire signer pour moi, en gros. Et du coup, j'arrive, je lui tends un bouquin, puisqu'on n'avait plus le droit qu'à un bouquin. Et je lui dis, c'est celui-là, quoi. Et du coup, je discute un peu avec lui, machin. Et il me prend l'autre bouquin, je dis, non, la fille, elle a dit, terminé, quoi. Il me regarde, il fait, bon, mais c'est bon. Il a pris les trucs, il a commencé à les signer. Ma sœur arrive, elle lui donne un bouquin. Escroc, c'est ce que tu es en train de dire. Il commence à signer. Non, mais attends, il commence à signer le bouquin. Elle en avait 3-4. Il commence à signer le bouquin. Et puis je dis, c'est ma sœur. Ah, redonne-moi les bouquins. Et du coup, il a re-signé. Et... Oui, mais ça, c'est parce qu'il avait peur d'être au chômage, il sortait ton Superman. Bon, non, 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 non. Ils n'avaient pas encore annoncé qu'ils partaient chez DC. Pour le coup. Mais du coup, c'était... Vraiment... non, mais tout le monde m'avait dit c'est un connard, en fait. Et ah ouais, qui t'avait dit parce que du coup, je suis étonné. Moi, j'ai plutôt, effectivement, la réputation d'un gars plutôt sympa, quoi. Moi, on m'avait dit... alors, Anto qui lui avait dit. Qui. Non, non, je pourrais plus te dire qui. mais franchement, on m'avait dit que le mec était vraiment pas aimable, pas sympa. Et c'est tout l'inverse que j'ai eu en face de moi, en tout cas. De même. Ah ben ça ouvre des portes. Hein. C'est sûr que quand, c'est quoi la phrase quand les mecs de 120 kilos parlent, tu les écoutes, c'est ça, écoute, oui. Les mecs de 60 se taisent. Oui, du coup tu m'écoutes deux fois je pense. Mais, je pense pas quand même. Tu serais étonné. Je pense. Deux fois 120 quand même. Ah je serais pas étonné. Alors on va pas parler de mon poids là, on est d'accord. Hein. Ça fait une éternité que je ne me suis pas pesé, mais sans déconner, je pense qu'il y en a une paire qui tombera. Qu'est-ce qu'il dit, Commission Indienne ? Tu lui as fait confiance ? Tu lui as fait dédicacer un comics à Michel, Léna, le mec qui est à côté de la plaque. Pourquoi il dit Michel ? Ah, mais qu'est-ce qu'elle dit, Léna ? Léna, lâche ce moscomio, là ! Une tonne mais de trucs. Il y a quelqu'un qui peut me décrypter ce qu'elle dit ? Mais c'est le menu qui a discuté. T'es pas remonté assez loin. Putain, mais non. Eh oui. L'hôte, elle a été dans un gastronomique. Là. Qu'est-ce que vous avez bu comme vin, Madame Léna ? Pincemain en lui expliquant que j'ai été fan de lui. J'adore Xavier Pincemain. C'est qui ? Un cuisinier qui a gagné Top Chef, qui a une chaîne YouTube qui est très très cool. Et voilà, bon délire. Ok. J'aime bien, j'aime beaucoup. Il a deux restos à Versailles. D'accord. Voilà. Je ne connais pas du tout ce monsieur. Est-ce que j'aime la bouffe ? Oui, énormément. Oui. Messieurs, est-ce qu'on n'arriverait pas au terme de cet apéro ? Oh, 5 minutes, on commence à peine à chauffer. Il n'est même pas minuit. Sans douter. Un petit vin du sud-ouest. Elle nous rejoint, Léna, ou elle fait sa fine bouche ? Non, mais Léna, c'est pareil, il faut qu'elle soit avant 8h demain, t'imagines bien ? Oh, ça y est. Ah bah, attends. Pourquoi vous faites pas une watch party ? Putain, une watch mais party. Oui. Mais bien sûr. Évidemment. Mais il y a quoi demain en fait ? Ça s'écrit tout seul. Grand Prix de Formule. Les qualifications. Ah oui, okay. Non, c'est même pas la course demain, c'est les qualifs. Putain, en plus. On sait jamais, d'ici demain, AG récupérera peut-être ses comics. Non, après, c'est dimanche à 7h la course. C'est un live qui se. Attends, je vais regarder. Putain, l'autre, ça part. Il y a un quart d'heure. Est-ce que je regarde tous les quarts d'heure depuis ce matin 8h ? C'est pas impossible. Je dois me lever tôt à cause de Néo. Non, mais ça va bien. Putain, mais c'est sur quelle chaîne, les qualifs ? Canal Plus Sport. Putain. Non, mais c'est beau, hein. Ouais, faut être motivé, hein. J'étais à ça de regarder de la F1. C'est vous êtes vraiment motivé. Ah, mais là, encore, ça va. L'Australie, il y a deux semaines, c'était à 4h, les qualifs. Ouais. À 4h30. Bon, le MMA, tous les week-ends, ça se tend.
À quelle heure le, la MMA tous les week-ends? Le Allez, on ferme. La MMA, c'est à quelle heure, s'il te plaît? Ça dépend, mais en règle générale, l'UFC, entre, ça commence vers les 3 du mat. Et généralement, le combat principal, il est à 6. Ah ouais, okay. Ça va. En règle générale. Puis après, pour certains combats, ça dure 2 minutes, donc t'es content de t'être levé? Des fois, oui. 9 secondes. Putain d'épine. Et tu vas te recoucher, tu fais... Ta femme qui comprend rien. Ça y est, c'est fini. Oh. T'écoutes les interviews, tu fais... Non, bah non. Interview. Dis donc, ouais, t'es en train de te demander quel tome de 22 mètres tu vas emmener voir Jeff Lubb, c'est bon quoi. Mais je vais quand même regarder des gens se taper dessus en pleine nuit. Mais tu le mets tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a des Français qui combattent demain. Ah bon? Ouais, Morgan Charrière. D'accord. Et Saladin Parnasse au KSW. Dernier combat de son contrat au KSW et après, on va savoir où c'est qu'il va signer. Mais dis donc, Inch'Allah à l'UFC. On y croit énormément. Mais dis donc, j'ai une petite question pour les aficionados de l'UFC Tutti Quanti. Oui. Par hasard, que j'ai allumé Amazon Prime, je me suis retrouvé subrepticement sur Roadhouse. Ah, le remake. On est d'accord qu'il aime beaucoup la cocaïne, McGregor. Voilà, il aime la cocaïne, il aime surtout les stéroïdes. Monsieur, c'est pas possible, ce, monsieur. Est-ce que tu prends pas 25 kilos de muscle comme ça, en même temps, comme beaucoup d'acteurs, j'ai envie de te dire. Bon, enfin, c'est un peu chiant. Il aime beaucoup l'alcool aussi. Ah ouais, non, et, mais là... Bah non, non, mais là, il est en plein... ouais. Ça va mal finir, Gainsbourg. Bah non, mais c'est surtout qu'à mon avis, il va tomber. Parce que là, il revient pas, là. Il y a pas. Si, putain, il revient depuis 4 ans. On est en train de parler de MMA dans un apéro BD. On peut faire un apéro MMA. Mais... Oh bah, à partir de là, tu peux le décliner à pas mal de sauces, ton truc. Mais on en parlait avec un G, figure-toi. Tout à fait. Bon, allez. C'était très, très cool, messieurs. Et s'il y a une chose à retenir de ce live, c'est qu'il faut acheter la route. Sinon, bah, t'as raté de ta vie. C'est prévu et... cette semaine. Je peux pas te dire mieux. Ah putain, franchement, c'est une tuerie. C'est pour demain. Ah ouais, non, franchement. Je veux pas vous refaire bah, la. Après, moi, c'est par culpabilité de l'avoir fait acheter à G et pas le prendre moi. Alors qu'il n'a pas pu en parler. Ah bon? Pas eu le temps, vieux. Un truc de. Le temps file, le temps file. Non, mais tu savais que j'allais en parler en plus et du coup, moi, j'ai pas. Ouais, voilà. Bah ouais, mais j'en avais qu'une de BD, donc en même temps, si tu veux. Tu veux en dire un mot? De la route? C'est bien. Bon, allez, bisous les petits lapins. Merci au chat de nous avoir suivis ce soir. C'était vraiment, merci. Vraiment très, très cool. Salut. Ouais, et à demain sur la chaîne de Jules et Nico pour un live. Hein. C'est vraiment abusé. Et du coup, Nico. Et du coup, je, pour ma part, je remercie Dargo pour le fantastique cadeau qu'il m'a fait en m'envoyant la route. C'était vraiment chouette. C'était le putain. Mais vraiment, j'ai jamais autant kiffé recevoir un truc d'un éditeur. C'est la vérité qui parle. Et je suis à deux doigts de le racheter. C'est... Ouais. Par culpabilité. Ah, le collecteur. Le collecteur. Vraiment. Tu sais que j'ai retrouvé un pote à moi du lycée qui est devenu dessinateur et qui a publié chez Dargo. Mais c'est ce que tu dis, qui a le même nom que toi. Ouais. Et en fait, il a publié Nautilus, apparemment, en 3 tomes. Ah, je l'ai vu à Lanta le week-end dernier, il y a 15 jours. Ah ben voilà. Ah, apparemment, c'est top de chez top, en plus. Il y a beaucoup de gens qui ont kiffé ce qu'il a. Il avait du monde, ouais, la dédicace. Ouais. Non, franchement. Fini en 3 tomes. Ouais, Fred. C'est fini. Je remercie mes remerciements. Je finis mes remerciements avec Rude Sèvres pour Murmure des Sous-Bois. Messieurs, je vous remercie, vous, d'avoir été avec moi ce soir pour me permettre de ne pas me retrouver les miches devant le canal, devant la télé et danser avec les stars. Oh putain, est-ce que Inès Reg, elle a tapé sur la gueule à Natacha Saint-Pierre?
je n'en peux plus de ce truc. Merci encore une fois au chat de nous suivre. C'était vraiment très très cool. À très bientôt dans un apéro BD, comics, manga, on ne sait pas. MMA peut-être. On verra. Oui, t'as le SNGL là qui arrive. Ah oui, c'est vrai, tiens, on a un SNGL demain. Si vous ne savez pas quoi faire. Le Station des Night Geek Live. Retenez bien, 21h. Je sais pas vous ce que vous ferez, mais moi j'y serai. En fait, c'est, vrai, c'est devenu ma chaîne, vraiment. Donne-moi les trucs comme les nains, là. Non, mais c'est Nico qui s'en occupe. Et alors là, moi, quand c'est Nico qui s'en occupe, le SNGL. Les pieds sous la table. Ah oui, et c'est un petit kiff. Je dois le confesser, de vraiment me foutre les pieds sous la table sans n'avoir rien fait sur les visuels. Cette fois, c'est la bonne, messieurs. Ciao, ciao. Ciao. J'ai un gros bras à force de dire ciao. Bisous. Salut. Ciao. Non, on va rester encore un peu quand même. Oh, 5 minutes.